Aujourd'hui, je suis avec Max. Salut Max. Salut Daniel. Un sujet, je pense, qui va intéresser euh, bah, une bonne partie des gens qui nous écoutent, parce qu'il est nouveau, il est frais, on n'a pas l'habitude de l'aborder, euh, c'est l'Amérique du Sud. Euh, tu as fait un petit tour en Amérique du Sud et, euh, et tu vas nous faire une sorte de compte-rendu, un carnet de voyage. C'est très intéressant, je me réjouis de faire cette émission. Avant tout, on va te présenter Max, qui es-tu finalement Eh bien déjà tout d'abord, je vais te remercier Daniel de me donner la parole à ce sujet qui peut potentiellement intéresser euh, un certain nombre de personnes qui euh, se posent des questions sur une éventuelle expatriation en Amérique du Sud. Mmh. Euh, donc j'ai 27 ans, je fais partie de l'équipe Vélos Paris depuis à peu près deux ans. Et voilà, je m'apprête à vous exposer un petit peu ce que j'ai vu lors de mon séjour pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée pour ceux éventuellement qui qui pensaient y mettre un pied incessamment sous peu ou même dans quelques années. Oui, c'est pas vraiment dans le sujet de l'émission, mais tu tu ne définis quoi T'es un nation, T'es un jeune un jeune Convaincu par les idées Tout tout à fait. Je suis je suis nationaliste, racialiste. Euh, je, étant, étant à c'est en faisant partie des, des anciens, de, enfin, des anciens ouais. entre guillemets, de l'équipe Paris, je suis plus que jamais convaincu. Ça fait près de dix ans que je suis euh, porté par, par nos idées. Je n'ai jamais vraiment été de gauche, qui plus est. Donc, euh, voilà, je suis euh, on a un nationaliste convaincu et je ne mâcherai pas mes mots. Alors, je ferai en sorte... Euh, que ça reste dans le cadre de la loi pour ne, ne pas se faire bêtement censurer par YouTube. C'est parce, parce que les, les signaleurs, euh, on sait que certains passent leur leur vie à signaler pour la moindre ouais. le moindre désaccord. Donc, je vais essayer d'être le plus, on va dire, euh, clair possible dans ce que dans ce que je vais vous raconter, sans pour autant tomber sur le coup de la loi et sur le coup d'une suspension de vidéo, même si on sait que ça euh, peut arriver. Ça, ça peut arriver pour un tout, pour un rien. Donc voilà. Alors, on, on peut dire qu'avant de, de faire ce choix de visiter l'Amérique du Sud, tu as, tu as visité euh, l'Europe, en particulier l'Europe de l'Est. Tu as fait un petit tour là-bas Oui, tout à fait. Donc, je suis allé déjà en Hongrie, en Ukraine, en République tchèque, en Croatie notamment. Je prévois de faire un tour en Pologne, en Roumanie, dans les Pays-Baltes. Enfin, il y a plein de. Voilà, oui. Euh, par, par, par manque de temps de, de financement, je n'ai pas encore en fait. l'occasion de, de, de visiter tous les pays d'Europe euh, dont dont j'aimerais euh, connaître. Euh, quoi. Que j'aimerais connaître tout simplement. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça fait partie de mes, mes futurs projets de, de voyage. Et euh, je tiens à dire que par rapport au, 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 au bilan que je vais faire dans mon voyage, il y aura des bonnes comme des mauvaises surprises. Voilà, sachez. Oui, <laughs> c'est bien, bien comme ça de faire une espèce de prévisualisation, preview en fait, de ce qui va nous attendre. Alors pourquoi tu as choisi en fait, l'Amérique du Sud C'était un rêve que tu avais comme ça en tête depuis quelques temps alors, pas spécialement, j'avais très envie d'aller en Patagonie parce que ça fait partie d'une des plus belles régions de la planète. Euh, je parle couramment anglais et espagnol, j'avais entamé un cursus euh, même d'études sur Paris. Euh, spécialisé dans la langue espagnole que j'ai arrêté rapidement parce que bon j'ai mes projets professionnels ont rapidement rapidement divergé par rapport à mes, à mes objectifs initiaux oui euh, et bon j'ai des amis je des, des amis et des connaissances euh, de, de ce continent là et donc euh, ça faisait très longtemps que je, je, je voulais je voulais le faire et surtout le plus important n'ayant aucun retour précis euh, de ces pays là dans notre camp euh, alors oui, il y a Kim Noazette qui est dans le sud du Brésil, que je n'ai pas contacté parce que je ne suis pas, euh, je ne suis pas passé dans, dans sa zone, on va dire, résidentielle. Euh, mais euh, mis à part Kim Noisette, je n'avais pas de retour suffisamment précis et je voulais me faire mon, mon, mon propre avis sur oui. une région qui pouvait, qui pouvait potentiellement m'intéresser euh, lors d'une éventuelle expatriation dans le futur. Oui, tu as joué un peu le rôle d'éclaireur à la fois pour toi, puis là, du coup, ça va servir à nos, à nos frères. Tout à fait. Alors Après, avec l'erreur, il, il y a des océans que je n'oserais franchir. <laughs> Disons simplement que j'ai essayé de, de, de voir le plus de choses possibles en, 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 durant les trois mois ouais. qui m'ont été impartis. Ah euh, oui, c'est vrai. J'allais te demander. Donc, tu restais trois mois. Quand même, ça permet d'avoir un échantillon de vie. Tout à fait. Alors, certains m'ont posé la question, mais comment fait-il pour voyager trois mois Mais quelle... <laughs> Ah bah <laughs> attends euh... non mais les gens sont complètement cons comme si on ne pouvait pas mettre le, de l'argent de côté pour aller trois mois en Amérique du Sud non, qui alors, plus est alors tout à fait C -c -c cependant je tiens à préciser que j'étais totalement euh, le voyage étant préparé depuis depuis un certain temps j'étais totalement libre au niveau euh, au niveau de ma vie personnelle au niveau de ma vie professionnelle euh, de manière générale les finances euh, étaient euh, étaient assez stables donc du coup voilà, j'avais on va oui. dire que tout tout était réuni pour le faire à ce moment-là précis. Ouais. Et je ne le regrette absolument pas, bien au contraire. Alors, bah, justement, euh, avant de rentrer dans le, dans le détail du voyage, euh, bah, comment ça t'a coûté, finalement, tout ça Alors, je dirais, grosso modo, j'étais parti sur un budget de euh, 8 à 9 000 euros, en dormant ouais. principalement en auberge de jeunesse. Alors, évidemment, bon, il a été dépassé. <rire> <rire> Classique. <rire> Allez, on va dire que euh, si vous gérez bien, si vous gérez mieux que moi, parce que j'ai quand même décidé de me faire énormément plaisir. Bon, il y a certaines fois, j'ai pas j'ai pas trop compté, euh, compté mes sous. En même temps, ouais. j'avais de la marge, donc euh, je me suis fait plaisir. Oui, il faut compter entre, euh, entre 7 000 et 10 000. D'accord, voilà. très bien, très bien. Alors ça a commencé par quoi, en fait euh, Quel a été le parcours alors tout d'abord donc j'ai euh, fait euh, escale à Sao Paulo oui. euh, au Brésil alors, avant au Brésil tout à fait alors euh, avant Air France proposait Montevideo comme destination ouais. euh, sur un vol bi-escale qui faisait d'abord Buenos Aires puis Montevideo je crois que ça fait deux ans que la compagnie pour un manque de rentabilité a arrêté cette destination là ouais. donc je n'avais pas beaucoup de choix financièrement parlant euh, bon Air France proposait également euh, ce, ce voyage là via Sao Paulo j'ai préféré une autre compagnie <laughs> qui s'appelait Latam, que j'ai eu un tarif assez, assez réduit. Et euh, donc, euh, suite à une escale de près de 20 heures à l'aéroport de Sao Paulo, je suis arrivé à Montevideo pour commencer mon séjour, qui est la capitale uruguayenne. D'accord. Donc, en fait, au fond, tu n'as pas fait le Brésil pendant le cours de ce voyage tu pas... Non, je n'ai pas fait le Brésil pour une simple et bonne raison c'est que je... mon portugais est catastrophique. Ah oui, d'accord. Euh, autant mon espagnol est assez, euh, est assez fluide, mais par contre, c'est vrai que maîtrisant mal le portugais et ayant. En... Alors, j'avais quand même envisagé de le faire. Mais euh, par, euh, on va dire, par manque de timing, manque de temps, par euh, voilà, pour ne pas être stressé euh, par le, le comment dirais-je, par le timing du voyage, j'ai préféré abandonner le sud du Brésil et me concentrer sur l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Pérou. D'accord. Très bien. Alors ben, l'Uruguay, euh, j'imagine que c'est un pays dont tu ne savais pas grand-chose. Euh, comment tu as exploré ça tu euh, parcours un peu son rythme t'avais un projet comment ça s'est passé alors euh, moi je savais bon j'avais deux trois informations je savais que c'était un des pays les plus sûrs d'Amérique latine euh, ouais. euh, je savais qu'il y avait un grand pourcentage de blancs dans le pays descendants d'européens principalement espagnols et italiens mm -hmm. euh, mais il est vrai que je n'avais pas euh, de retour très précis euh, on va dire euh, sur euh, comment est la vie là-bas euh, quel ressenti j'allais avoir est-ce que ça allait être similaire à ce que j'ai vécu en Europe centrale et en Europe de l'Est euh, voilà je, je n'avais vraiment pas plus d'informations et donc du coup euh, on va dire que j'y suis un peu allé avec un le, le j'allais dire ma, entre guillemets ma bite et mon couteau euh, mais euh, mais on va dire que je, je suis arrivé avec le minimum d'informations et je suis reparti avec un, un, un maximum de, de choses à vous raconter voilà. d'accord bah alors es, ton ressenti alors sur, sur le rugueau alors euh... je, déjà je vais euh, je, je, je vais être euh, je vais aller directement dans le vif du sujet. Ouais. Je suis arrivé en pleine nuit, euh, étant donné que bon, l'escale le, était longue, euh, pour avoir le billet un peu moins cher, eh j'ai fait le choix d'arriver de nuit. Euh, donc, suite à une escale de 20 heures à l'aéroport de Sao Paulo, j'ai déjà eu un premier vol de nuit entre euh, Paris et Sao Paulo, puis un deuxième de nuit entre Sao Paulo et euh, Montevideo. Je suis arrivé en pleine nuit à l'aéroport de Montevideo. Euh, je n'ai pu rejoindre mon auberge qu'en fin de matinée. Donc Du coup, j'ai passé la première, première partie. Euh, de la matinée dans l'aéroport. D'accord. C'est vrai que euh, c'est là que j'ai commencé à avoir ma première stupéfaction. Euh, c'est le bien-être que j'ai ressenti. Alors, déjà, euh, bon, déjà dans l'avion, c'était blanc à plus de 95%. Oui. Euh, c'était supérieur à ce à quoi je m'attendais. Mm -hmm. euh, et à l'aéroport, c'était blanc à quasiment 100%. C'était incroyable. C'est-à-dire, je, je me suis senti dans un autre monde. J'avais l'impression de. Je ne sais pas de, là, je, je ressentais exactement ce que je, ce j'ai ressenti dans mes, des présents voyages en Europe. Euh, c'était blanc, c'était tranquille, les gens. Je... On sentait une certaine joie de vivre, une tranquillité, ça, ça se voyait, ça se ressentait. Et je n'avais même pas, je n'étais même pas en, encore euh, dans la ville de Montevideo. J'étais juste à l'aéroport. Déjà à l'aéroport, j'ai ressenti un bien-être absolument incroyable. Et je pèse mes mots parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je ne, oui. je Mais ne... les ressenti c'est important dans hein, les voyages. Hein, ça dit fait. beaucoup de choses hein, en général. Tout à fait. Et donc du coup, euh, suite euh, à ce premier ressenti, donc je suis arrivé dans le centre, euh, à mon auberge de jeunesse dans le centre de Montevideo. Et euh, bah le, ça s'est confirmé. Euh, oui. Blanc à 80-90% dans toute la ville. Euh, un vieux centre historique. Je dis vieux. On va dire un centre historique absolument magnifique. Euh, je n'ai vraiment. Euh, je me suis senti en Europe. Honnêtement, je me suis senti en Europe à 10 000 km de l'Europe. Oh. Euh, je ne m'y attendais pas, pas à ce point-là. Ouais. Euh, je savais, évidemment, euh, les, les Blancs ont tendance à reconstruire un peu partout euh, où ils vont l'atmosphère, le, oui. les, 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 les monuments et les, et, les, et les civilisations dont ils sont les bâtisseurs. Mais là, ça a dépassé toutes mes espérances. Euh, un calme, une tranquillité, une propreté dans les rues. Oui. Euh, un haut niveau d'éducation des gens, euh, par exemple dans le centre, des gens qui s'arrêtent pour vous laisser passer. Ah, tu m'as pas... montré, de toute façon, tu m'as montré les images, on sent le, cette espèce de Dolce Vita à l'italienne, façon à années 50-60. Alors après, c'est vrai que c'était la fin de l'été, euh, ouais. je suis allé euh, à ce moment-là pour éviter le tourisme de masse, parce que j'aurais pu très bien. Euh y aller de novembre, comment dirais-je, à, à février par exemple, j'ai fait le choix d'y aller de, de février rappelle à rappelle à ceux qui n'ont jamais voyagé dans l'hémisphère sud oui. que les saisons sont inversées, donc l'été là-bas c'est l'hiver chez nous, en fait tu y es allé hors saison si on Tout peut dire. Tout à j'y suis allé, on va dire en partie en saison et en partie hors saison si on prend la, les, les saisons, les saisons là-bas. Et donc du coup, voilà, première, premières impressions, euh, euh, donc euh, ont été excellentes, mmh. vraiment. Euh, alors après, c'était l'été, donc peut-être que en période hivernale, euh, je l'aurais peut-être un peu moins ressenti. Mais en tous les cas, voilà, euh, très rapidement, je me suis senti en sécurité, très à l'aise. Euh, ça, oui, ça s'est ça s'est rapidement vérifié, même par la suite Parce de mon séjour en Europe. Au-delà de la statistique et du nombre d'Européens ethniques, il y a l'esprit, il y a l'atmosphère. Par exemple, en oui. Amérique du Nord. On n'est pas en Europe. C'est euh, très moderne. Il y a des fast-foods. On ne se sent pas dans l'Europe que nous, nous aimons. Or, dans les images que tu m'as montrées, c'est vraiment que j'avais le sentiment d'être en Italie ou en Espagne euh, il y a 50 ans. C'était assez agréable, en fait. fait. C'était très agréable pour l'avoir pour vécu. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais d'un autre côté, ça me rend triste parce que je repense, encore une fois, ça, ça nous fait repenser à ce qu'était la France il y a encore 50 ou 60 ans. Ouais. Au, Paris, au Paris de l'époque. Et c'est vrai que ça nous rend... On est à la fois heureux de vivre ça et d'être... Euh, Comment dirais-je euh, d'être de, de, euh, touché par ce bien-être euh, entre guillemets blanc Et euh, mais d'un autre côté nostalgique aussi de se dire voilà ce, oui. ce on a on retrouve un peu ce qu'on a perdu nous. Une amertume euh, ouais. en même, Une amertume. même temps. Amertume. Hein. Euh, ce dont les gens se rendent j'en je, parlerai plus tard mais ce dont les gens ne se rendent pas forcément compte notamment ceux qui qui ne sont jamais allés à Paris. Oui. Et je vais prendre cette anecdote là. Euh, il y a notamment un café traditionnel de Montevideo qui s'appelle Fasal, mm -hmm. euh, notamment où il y a des cours de tango chaque après-midi. C'est un couple voilà, qui, euh, qui danse le tango pendant une demi-heure. Et euh, je puis vous assurer, et je, je, je jure sur ce que j'ai plus cher, que si vous allez dans ce bar-là, il n'y a aucune différence avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Aucune. Vous mm -hmm. avez l'impression d'être en Europe. C'est-à-dire, si on ne vous dit pas que vous êtes en Amérique du Sud, vous ne pouvez pas le deviner. C'est impossible. Ouais, ouais, ouais. Euh, les serveurs sont quasiment tous blancs, la population est blanche. Euh, c'est juste euh, presque merveilleux. Alors évidemment, il y, y a un peu, une, ça reste une grande. Euh, bon, c'est pas si grand que ça, mais on va dire, ça reste une ville de taille plus ou moins importante. Comme toutes toujours, les capitales, il y a une cap... marge de. Voilà, de... Il y a, évidemment, il, y a, il peut toujours y avoir un peu d'insécurité la nuit. Euh, mais euh, on va dire que c'est très, très relatif, surtout ouais. euh, par rapport à d'autres étapes de mon voyage que ouais. j'évoquerai par la suite. Alors, en Uruguay, tu as fait d'autres villes Parce que je sais que c'est un petit pays, mais d'ailleurs, d'autres villes ou... Tout à fait. Alors, j'ai fait le choix de, de me concentrer d'abord sur Montevideo et Punta à ouais. Este, qui est le Saint-Tropez uruguayen. Donc, j'ai passé une semaine euh, à Montevideo. Puis une autre semaine à Punta Del Este euh, avant de passer euh, par des plus, des plus petites étapes qui n'en étaient, euh, étaient pas moins inintéressantes. D'accord. Et euh, il est vrai que Punta Del Este, alors là, déjà, il a, je trouvais qu'à Montevideo, il y avait déjà un niveau de sécurité très important. Punta del Este, il y a juste un niveau de sécurité qui est quasiment absolu. Est total. C'est-à-dire que, <laughs> que pour qu'il vous arrive quelque chose, de, on va dire qu'il vous arrive un problème à Punta del Este, un problème grave, euh, ou que vous vous fassiez voler, il faut vraiment que vous, vous soyez la personne quasiment la plus malchanceuse du monde. C'est blanc à 95%. Euh, là, vraiment, euh, je, même, même en soirée, puisque je suis sorti un peu, euh, il y avait une ambiance, vraiment, on, je... je, je a aucun moment je ne me suis dit ou il faut que je fasse gaffe etc oui. euh, je sais qu'il y a une ville qui s'appelle Maldonado qui est pas très loin de Punta del Este ou qui est peut-être un peu plus pauvre, il y a peut-être un peu plus d'insécurité mais la, le, la ville, la station balnéaire de Punta del Este en elle-même est absolument euh, totalement euh, sécurisée il n'y a aucun souci, oui. c'est-à-dire qu'on peut y emmener ses, sa femme et ses enfants, les yeux fermés euh, euh, je, je recommande totalement, mais là, là, là pour le coup je n'ai même plus été impressionné, je, je me demandais Comment euh, les gens ne, ne, ne pouvaient pas, comment je pouvais pas encore avoir de retour oui. sur. Euh, oui. oui et, je comprends. L'euphorie que tu as pu ressentir, c'est l'idée d'un paradis perdu, euh, d'un paradis inconnu. C'est-à-dire en fait là, bon, le, le mot est un peu passé sur la, la tranquillité, le bonheur qu'on peut ressentir en Hongrie ou en Ukraine, etc. Voilà. Mais c'est vrai que pour le Hugo, on n'avait pas de retour et tout à coup, tu t'es dit mais j'ai découvert un continent, <laughs> quoi. C'est <laughs> bon, que... très agréable, quel -que... quoi. Quelques centaines d'années après, après, les conquistadors, mais oui, oui, euh... oui. le monde. Basses, par exemple, hein, par exemple, par exemple je, je prends cet exemple là. Quand je suis allé, euh, je suis allé notamment à Kiev, euh, Kiev l'été dernier, mm -hmm. et euh, donc j'ai passé trois semaines en Ukraine. Mais je, je m'attendais, je savais, j'avais déjà beaucoup de retours de l'Ukraine, oui. j'étais déjà allé en Hongrie, etc. Je savais plus ou moins quoi m'attendre. Donc, si vous voulez, c'était euh, si tu veux, Daniel, c'était une confirmation de ce que je savais oui. déjà. Donc euh, voilà. Euh, mais là, effectivement, je découvrais. Mmh. Donc, euh, quand on découvre quelque chose euh, qu on, dont, dont on n'avait pas idée et qui, est, euh, qui dépasse nos espérances, bah, euh, je ne sais pas. C'est ce une très bonne surprise. Ah, mais j'avais même plus les mots. Je ne savais plus. Euh, je ne savais plus quoi dire. Tant je me sentais bien euh, lors de mon séjour là-bas. Euh, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est quand tu dis, par exemple, bon, c'est toujours au jugé, hein, 95% de blanc, 99% de blanc. Finalement. Les non-blancs, que sont-ils Ce sont des Amérindiens Ce sont plutôt des populations noires Alors, je connais à peu près les chiffres précis, je peux, ouais. je peux le dire. Donc, il y a entre 80 et 88 de blancs dans tout le pays. Ouais. Euh, ce que j'ai constaté, bon, j'ai vérifié les chiffres, ça corrobore ce que j'ai vu quand ouais. je prenais le bus, etc. Enfin, j'ai toujours été en, entouré d'une grosse majorité de blancs partout où j'allais. Mm -hmm. euh, je dirais que qu'il y a peut-être. Allez, on va dire qu'il y a 80, 85 de blancs et 15 de non-blancs. Sur les 15 de non-blancs, il doit y avoir 5-6 de noirs. Euh, euh, noir et métis. Et quand je dis noir, euh, c'est noir, c'est pas euh, le, le noir du Nigeria, c'est oui. plutôt le noir cubain. Euh, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ils sont concentrés surtout à monter vidéo. Euh, et sinon, après, c'est des mélanges d'anciennes de, de, euh, tribus qui ont été totalement, enfin euh, qui ont totalement disparu après, euh, après l'arrivée des Espagnols ah, et, de, et de et de latinos ou de ou d'immigration récente du Venezuela ou de Colombie. Mais c'est vraiment J'allais dire c'est presque négligeable tant la proportion est faible, y compris dans mon vidéo et je puis vous assurer que je, je dis la stricte vérité. Oui, que oui. Je suis pas en train de de, de rendre la chose plus belle qu'elle n'est. C'est <laughs> vraiment ce que j'ai vu. Voilà, en fait pas bah, ils vendent pas des tickets séjour après pour pour, pour <laughs> euh, le encore, Pas encore pas encore. encore. <laughs> Ça me serait tardé. <laughs> Alors on va revenir en plus en détail ensuite sur l'Uruguay, mais euh, donc tu as tu as fait combien de temps en Uruguay J'ai fait trois semaines. T as fait trois alors à semaines. À alors je précise que je devais ne rester que deux semaines et étant donné que eh bien, ça m'a plu, ouais. plu, je suis resté une semaine de plus. Oui d'accord donc il y avait une souplesse un peu dans dans les dans ah oui dans oui ça, je, suis pas, je suis pas alors même si je peux être personnellement un peu rigide parfois ouais. euh, il est évident que on, on va dire, c'est la vie, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Quand vous prévoyez un, un, un certain parcours, il n'est jamais respecté à 100%. Voilà. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a eu quelques modifications au cours de mon séjour, mais globalement, j'ai respecté les, les principales lignes qui étaient, qui étaient, qui étaient tracées. Euh, ensuite, tu, tu es allé en Argentine, tu as pris le bus ou tu es allé en... Alors, je suis, alors déjà, il faut savoir que j'ai eu, en plus de, du niveau de sécurité et d'éducation des gens, j'ai eu l'agréable la, la, surprise de voir que le niveau des infrastructures en Uruguay était assez impressionnant. Ah, tiens, alors déjà, l'aéroport de Montevideo... On a l'impression de se croire 20 ans. Euh, enfin, c'est retour vers le futur. Ah, je me dis c'est euh, très propre. C'est très propre, euh, c'est très moderne. Euh, donc, je suis allé en fait. Euh, J'ai terminé. Euh, donc, je, je, après Punta Lesté, je suis allé à Punta del Diablo, qui est un petit village de pêcheurs, un, un peu gauchiste, un peu un peu bohème. Que je recommanderais pas forcément, bon. Euh, mais bon, il y, y, y a des choses sympas à faire. Il y a le, le, le parc euh, avec une forteresse appelée Santa Teresa, qui est assez grand, qui, qui se fait essentiellement en voiture, mais vous pouvez le faire à pied ou en vélo, qui est pas très loin de Punta del Diablo. Alors Punta del Diablo, donc j'ai dit que c'était un petit village. C'est situé près de la frontière frontière brésilienne. J'y suis resté 2 trois jours. Euh, je suis allé ensuite à Périapolis euh, de jours, qui est une autre station balnéaire euh, uruguayenne. On, on parle euh... à peu près de combien d'habitants, pour avoir une idée là, Alors, de... l'Uruguay, c'est 3,5 millions d'habitants, et il doit y avoir 3,3 millions 3 250 000 de blancs à peu près. Ah oui, c est, c est très... il y a très peu d'habitants quand même en Uruguay. Oui, a... c'est petit. Hein. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. C est, c est ce sera un peu c'est un peu l'équivalent d'une croatie la croatie je crois ouais. que c'est à peu près ça aussi d'accord et là dans les petites villes dont tu parles là c'est on est sur un format ville village c'est quoi 50 000 100 000 habitants Alors, euh, punta punta del diablo on serait plus sur de 10 000, 15 000 habitants euh, ce serait plus plutôt village après pierry on serait plus sur une ville euh, un peu plus un peu plus importante mais ce sont des villes pierre et punta del este, comme ce sont des stations balnéaires euh, c'est un peu comme la côte d'azur en été quoi c'est à dire qu'en période estivale eh bien le, le, le la population croît fortement ouais, augmente c'est ce qui est normal ouais. Euh, et donc ensuite, pour aller en Argentine, euh, j'ai... Euh j'ai euh, pris le ferry à Colonia, qui est une ancienne, enfin, petite ville, euh, qui est une petite ville fortifiée. Il faut savoir que l'Uruguay appartenait à l'Argentine. Il y a une guerre d'indépendance entre les deux pays, ce qui a fait que depuis euh, deux siècles et demi, l'Uruguay. On pourrait se dire culturellement, même ethniquement, c'est proche. C'est ouais. proche, sont depuis sont deux pays très bons. Je vais y revenir par oui. la suite. Euh, D'accord. Mais euh, alors, il y, y, y a des points communs, mais il y a quand même de grosses, grosses différences. Oui, tu bah, arrives en Argentine plein de rêves dans la tête parce que c'est vrai que quand on, on parle, on parle toujours un peu de deux Amériques du Sud. L'Amérique du Sud métissée, quart un peu par le Brésil et puis euh, l'Amérique du Sud, du Nord, si je puis dire, des pays comme Venezuela, Colombie, etc., qui sont des, des pays avec plein d'insécurité, avec une forte insécurité. On parle toujours un peu de l'Argentine, la, euh, une espèce de rêve, euh, un peu paradis, et toi, tu as un retour qui, qui n'est pas exactement le même. Euh, oui, j'ai un retour extrêmement mitigé sur, ouais. sur l'Argentine. Alors, malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, en fait, euh, le fait d'avoir fait l'Uruguay d'abord, bah, justement, ma. Parce que la plupart des Argentins que j'avais croisés, euh, d'ailleurs à Punta del Este, euh, la plupart des, il y a beaucoup de touristes euh, brésiliens et argentins qui, qui, qui viennent notamment pour mmh. profiter de la sécurité euh, du pays. Et euh, je l'ai compris par la suite puisque j'ai rapidement oui. vu que justement. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à rendre. Alors déjà, je suis arrivé à Buenos Aires depuis Colonia euh, en ferry. Mmh. Euh, alors, le, la station de ferry, euh, c'était juste un aéroport avec une vraie salle d'embarquement, des passerelles pour accéder au ferry. Enfin, c'est le ferry très moderne. Euh, le, le, je ne sais plus, je crois que j'avais payé 15 ou 20 euros le billet, mais c'est juste euh, totalement, euh, totalement rentabilisé. Euh, et, euh, et donc du coup, je suis arrivé à Buenos Aires en une heure. Voilà, je suis parti. Euh, j'ai dû partir à 11 h Je suis arrivé à Donc voilà, ça se fait relativement rapidement, relativement facilement. Euh, c'est un peu plus long en bus, c'est un peu plus fatigant. Donc du coup, j'ai préféré payer un poil plus cher. Et finalement, j'ai pas été déçu, bien au contraire. Ouais. Voilà. D'accord. Donc à mon arrivée à Buenos Aires, donc euh, donc pareil. Donc je suis arrivé à la, la mi-journée. Je suis arrivé à mon auberge de jeunesse. Puis j'ai commencé à visiter un peu le centre-ville. Euh, on va dire que. Les premières impressions étaient plutôt bonnes, donc euh, ouais. c'était plutôt blanc, ça confirmait ce que j'avais vu en Uruguay, euh, très très européen. En fait, de Buenos Aires, la première impression que j'ai, je me suis dit, c'est un monté vidéo en beaucoup plus grand, voilà, ce qui est ouais. ce qui un petit peu. Ça partait je... bien. Ça partait plutôt bien, euh, sauf que, eh bien évidemment, euh, j'y suis resté une dizaine de jours et euh, dès le deuxième ou le troisième jour, les, les déceptions ont commencé à s'enchaîner. Euh, et euh, la, la, la première des, euh, je dirais des, euh, des déceptions, c'est le, le nombre de non-blancs oui. qui est présent et qui là est beaucoup plus important qu'en Uruguay. Il n'y a même pas photo, j'ai envie de dire, puisqu'il euh, suffit de prendre le train pour aller dans la banlieue de Buenos Aires, puisqu'il y a notamment deux cathédrales que je suis allé visiter ouais. dans deux communes qui s'appellent La Plata, qui est au sud, et Lujan, Lujan en français. Euh, qui se situe à l'ouest de la ville mmh. et euh, donc j'ai notamment pris les transports pour y aller et en fait il euh, y a un, un nombre de noms blancs de la latinos, noirs j'ai même vu voilà, des, des nigériens et des somaliens dans le centre de Buenos Aires voilà. euh, et là j'ai commencé à me dire que en fait euh, euh, ça allait pas c'était moins white, entre guillemets, que ce que j'aurais pu, pu penser. Oui. Et en fait, euh, donc, euh, et je me suis senti, j'ai commencé à me sentir, voilà, des, des gens, des fois, qui me regardent un peu bizarrement, etc. Alors, par contre, je n'ai pas euh, eu de problème avec des gens qui me collent ou qui m'insultent dans la rue, ça non. Euh, mais euh, j'ai toujours été sur mes gardes. J'ai je, je, vu que, certains, en heure de pointe, les trains étaient bondés. Euh, notamment cette anecdote où euh, la, la moitié du train n'était même pas encore sortie de la rame, la moitié des gens n'était même pas encore sortie de la rame, que y, les gens étaient déjà en train de se bousculer et d'entrer, donc c'est pire donc en termes de densité de population, ah euh, oui, c'est important ça aussi, j'ai l'impression que euh, c'est pire pire que l'Uruguay et rapidement euh, ça n'a pas arrêté de se confirmer euh, donc euh, l'héritage européen euh, qui, est, euh, qui est présent est assez, est assez important il oui. euh, y a pas mal d'églises et de cathédrales mais rapidement j'ai dû faire des choix par rapport à, justement à l'insécurité qui peut y avoir dans certains quartiers je pense notamment à la Boca où il y a le club de, de Boca Junior où il est formellement déconseillé de, de s'éloigner de la, de la partie touristique oui. euh, pour une simple raison c'est qu'il y a plusieurs bidonvilles qui sont très proches de Buenos Aires et, euh, et certains quartiers très pauvres qui sont euh, même dans la ville même de Buenos Aires. Notamment un des plus grands bidonvilles de la planète qui se situe à la sortie même euh, de la ville de Buenos Aires. D'accord. Voilà. Donc euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une pauvreté, en plus d'insécurité, il y avait une pauvreté beaucoup plus importante qu'en France. Oui. Euh, et euh, il est vrai que euh, je ne m'attendais pas à un tel... Euh, alors je savais qu'il y avait eu des crises économiques, qu'il y avait eu des dictatures par le passé, mais moi bêtement, entre guillemets, je, je, je pensais que depuis notamment la crise de 2001, la situation euh, s'était plus ou moins améliorée, que ça allait mieux, oui. et, en fait, euh, je, et en fait non, j'ai appris euh, par plusieurs sources que le, le taux d'inflation était catastrophique, Ouais. Euh, euh, proche de celui d'un pays comme le Venezuela ou le Zimbabwe, je vous laisse imaginer. Ah oui, oui. La monnaie, la monnaie euh, ne, ne, le peso argentin ne, ne, ne vaut vraiment pas grand chose. Et euh, j'ai été effaré de voir à quel point euh, le, le, le pays est économiquement instable. Ah, d'accord. Et euh, là, je dis ça parce que certains qui pensaient éventuellement, notamment, créer une communauté, comme l'ont pu le faire certains. <laughs> En Argentine Certains Allemands, oui, oui, oui. <laughs> par, par le passé. À une époque où il fallait fuir quelque où, chose. Voilà, tout à fait. Euh, voilà. tout à fait. Euh, je, je me suis vite rendu compte que euh, la, la situation du pays faisait que euh, c'était très loin d'être idyllique. Euh, que ce soit pour éventuellement l'envisager ou même pour y parvenir. Mais tout de même, c'est un énorme pays quand même. L'Argentine, c'est très grand. C'est un, euh... un, un énorme pays. Alors, euh, après Buenos Aires, je suis euh, notamment allé à Rosario, Cordoba et Mendoza, mm -hmm. avant d'attaquer la Patagonie. Euh, sauf que le souci, c'est que j'ai retrouvé toujours ces centres-villes très européens, très blancs, etc. Mais dès qu'on s'éloigne des centres, toujours ce sentiment d'insécurité, toujours on doit faire attention. Faut, voilà, le, le... J'ai aussi cette anecdote euh, de plusieurs Argentins qui m'ont dit que si un Argentin... Ne s'est pas fait voler une fois son téléphone dans sa vie, c'est qu'il n'est pas argentin. Ah, Je vous laisse deviner. Voilà, le... Disons que quand on en arrive à la blague populaire, c'est que ça s'ancre dans une réalité que tout le monde fait constate. ce que, que j'ai observé et que ouais. tout le monde constate, que j'ai moi-même observé. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne s'éternisent pas, qui, euh, qui font de passage quelques jours à Buenos Aires, qui disent ⁇ Ah bah je suis allé dans le centre, c'était génial, etc. ⁇ Mais vraiment, quand vous prenez le temps, quand vous marchez, quand vous, vous prenez le temps de vous éloigner, je ne dis pas vous éloigner de 3 heures, hein, mmh. de vous vous éloignez d'une de, petite demi-heure à pied, etc., vous vous rendez compte que ouais, vous devez être sur vos gardes parce que euh, ouais. même si, on va dire, il euh, y a une certaine tranquillité, encore une fois, dans, dans les grands centres-villes. Euh, les, les voleurs ne sont, euh, ne sont jamais très loin en fait, si, je, je, suis pas, je crois comprendre mais tu vas me dire si je me trompe la différence avec la France c'est que lorsque tu vas subir une intimidation ce n'est pas le fait d'une haine ethnique comme On peut le voir, le phénomène par exemple, un maghrébin oui. en France qui va t'emmerder juste parce qu'il veut oui. te faire chier, mais c'est vraiment qu'il y a une telle pauvreté oui. que euh, dès que tu respires un peu l'argent, tu es vraiment en danger physique oui. de spoliation. Quoi, il oui, oui. euh, a pour, pour, pour preuve, il y a, y, a, y a de la mendicité pour à peu près tout. Euh, on vous demande de l'argent pour porter votre valise, comme j'allais dire, comme en Afrique, hein, c'est vrai, c'est ce que j'ai oui. vu, comme, comme en Afrique, c'est ouais, vrai, pour faire votre créneau, pour faire une marche arrière. Euh, moi, je souvenir plusieurs fois, euh... tu as raison, c'est un marqueur, hein, c'est comme en Roumanie, il euh, y a des gens qui sont là juste pour te dire où te garer des fois que t'es pas vu le mec il te fait la pla... il te fait un signe genre là tu peux te garer a... t'as pas vu il y a une place libre et après le mec il te tend la main quoi voilà, et ben bah, bah, ça en Argentine ouais, tout à fait ouais, ouais. Bien, ça en Argentine ça ça arrive euh... Euh, ça arrive tous les jours, un ouais. peu, un peu, dans toutes les grandes villes, même villes de taille moyenne, c'est ancré. Si vous voulez, les, on donne de l'argent pour à peu près tout parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Les gens font comme ils peuvent, euh, et effectivement, il n'y a pas de haine. J'ai pas senti de haine euh, entre guillemets euh, anti-blanche comme il peut y en avoir en France. Oui. Je pense que c'est davantage, euh, davantage dû à la pauvreté. Moi-même, j'y ai été confronté. L'insécurité, j'y ai con été confronté à plusieurs reprises. Rassurez-vous, j'en suis toujours tiré sans aucun souci. Ouais. En fait, euh, tu m'as pas dit qu'on t'avait volé quelque chose m'a volé à un moment donné. Mais alors, je, je dirais que j'ai eu la mauvaise idée. Ça c'est un peu plus loin, un peu plus tard. Donc, à Cordoba, qui est la troisième ville de l'Argentine. Euh, J'ai la mauvaise idée de, de suivre un Belge qui voulait aller à un concert de quartetto, qui est une musique un peu latina, ouais. euh, de cette, issue de cette ville-là, euh, dont l'inventeur est un mélange entre euh, Enrico Macias et les frères Baudano. Je vous laisse imaginer la, la, tête, la tête du chanteur. Et en fait, donc, il m'a emmené dans l'un des pires quartiers de la ville et du pays. Il mmh. euh, y avait une grande partie des gens présents à cette soirée-là qui sortaient de prison. Euh, effectivement en dansant on m'a volé m'a volé mon téléphone alors heureusement bon je préfère que ce soit mon téléphone que mes, que mes papiers ceci ouais. étant je m'y attendais mon téléphone était très sécurisé déjà en France euh, voilà, j'ai des je, je crains déjà que je puisse ouais. être, d être surtout je vis en région parisienne euh, et, euh, et, et pas euh, pas dans la meilleure des banlieues euh, et du coup euh, euh, eh bien euh, mon téléphone étant hyper sécurisé euh, voilà le ou le, 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 les voleurs n'avaient de toute façon ne pouvaient avoir accès à aucune information oui, oui, ils pouvaient juste retirer la la carte SIM et, euh, et revendre le téléphone mmh, D'accord, c'est bon, une, une perte vraiment. sèche du téléphone oui, mais ça ouais. en dit quand même beaucoup parce que finalement tu, tu restais combien en tout En, 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 a en, en Argentine je suis, resté, je suis resté à, à peu près un mois et demi, oui, puisque en fait, j'avais la Patagonie grande, oui, ouais. parce que j'avais la Patagonie qui m'intéressait énormément et où euh, vraiment ouais, j'ai ouais. vu... Et quand aussi, même en un mois déjà se faire voler ça veut quand même dire quelque oui, chose Oui mais j'avais déjà, il y avait déjà un voleur qui avait déjà tenté de me voler dans le centre de Buenos Aires, j'avais réussi à m'en dépatouiller sans trop de problèmes euh, mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas le seul. Les Argentins aussi. Euh, vol de voitures. Il faut savoir que le, toutes les voitures en Argentine sont vendues avec une alarme. D'accord. Euh, euh, parce que justement, euh, y a, euh, si, si vous ne le faites pas, il euh, y a tellement de risques de vol la nuit euh, au niveau de certaines, euh, certains quartiers dans les voitures que euh, vous. Euh, euh, vous avez de grandes chances de, de vous retrouver, de retrouver votre voiture vandalisée. Et je oui. tiens à ajouter qu'il y a même une chaîne de télévision euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui. Euh, euh, qui, euh, qui est un peu le F2 un sous version télévision qui euh, retranscrit une partie de la journée tous les crimes qu'il y a dans le pays. Ah oui. Oui. Et euh, par exemple, un, une personne a été tuée là, euh, il y a eu un braquage si Et euh, moi, je l'ai vu parce que je, je. À un moment donné, j'ai regardé par, par curiosité cette chaîne et effectivement, c'est assez impressionnant. Mmh. Euh, en tout cas, moment, la sécurité n'est non... pas masquée aux citoyens, au contraire, on leur dit de faire attention. Tout à, à fait. Elle différence, pas masqué, mais mais par contre, ce qui m'a ce surpris, c'est qu'on parle souvent du Brésil. Mmh. Parce qu'effectivement, là, il y a une euh, a, a une, une, une crise. Une criminalité qui est, qui est parfois exponentielle, euh, l'Argentine n'est pas si loin derrière, hmm. quand même plusieurs crans dessous, mais euh, ouais. tout de même euh, pas négligeable. Quoi, bah, c'est euh... tout. Alors là, je ceux qui pensent arriver en vacances dans le pays et négliger la sécurité, il faut une, une ouais, très, très grosse erreur. C'est à dire je, que je vous le déconseille fortement. On est c'est pas le, le cas où tu te balades avec une liasse de billets qui sort de, du port, non, et d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai un Ami avec qui je me suis arrangé, qui m'a permis, ça m'a permis d'éviter oui. d'avoir toujours plus de, de 200 euros en, en liquide sur moi, mmh. ce qui a été bien. bien. D'ailleurs, je crois me rappeler dans ce que tu m'avais dit la première fois que tu m'en parlais, que la population te mettait en garde. Ça, c'est un fort signal. Ah, tout à fait. Oui. Euh, mais... Ma soeur avait mais... dit ça aussi en Colombie, où la population dit Non, mais là, vous ne pouvez pas aller là, vous allez être en danger, mademoiselle. Tout à fait. Donc là, euh, pareil, en plus, toi, tu es un homme, Si te l'ont dit à toi, c'est que vraiment, y a un... <laughs> alors après j'étais un homme seul j'ai pas été ouais. seul tout pas seul tout le temps pendant mon voyage mais à nombreux moments et il est évident que comment dirais-je vu le nombre de fois où on m'a demandé de faire attention par exemple dans le métro de Buenos ouais. Aires on m'a conseillé de de ne pas avoir le sac sur mon dos mais toujours l'avoir plutôt sur mon ventre ouais. euh, pour pas justement euh, qu'il y ait quelqu'un qui passe bon alors après j'ai eu beau leur dire que j'étais habitué à l'insécurité que voilà je, je vous inquiétez pas j'ai de façon j'étais toujours sur mes gardes et j'ai jamais vraiment été surpris voilà même 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 à Buenos Aires quand le, le voleur en question avait essayé de on va dire de de me voler je l'ai vu venir ouais, voilà, ouais, je je je, Étais quand même, je faisais quand même très, très attention. Mais non, encore plus pour, 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 pour une ou des, femmes, euh, ou des femmes tout court qui, euh, qui, songeraient à y, qui songeraient à y faire un tour. Oui, il faut prendre ça très, très au sérieux. Et alors, dans les endroits plus, moins urbains, oui. il y a seulement une belle nature en Argentine. Est-ce que les, les villes de plus petite envergure ont plus de charme Alors, euh, plus de charme Je dirais que c'est surtout que les, les villes sont bien ancrées dans les paysages. D'accord. Euh, on sent qu'il y a une il y a une, il y a une, une osmose entre les, les villes de Patagonie et la nature d'accord euh, il y a pas de ouais. il y a pas, on ne ressent pas ce côté euh, quand on est dans une petite ville de Patagonie on ne se dit pas oh là là euh, la nature est détruite non c'est, c'est été fait je pense enfin euh, euh, de ce que j'en ai vu euh, vraiment euh, pour être en symbiose avec euh, les montagnes la nature d'accord c'est agréable les, en fait à visiter c'est très, très agréable alors, je suis, donc ensuite, après avoir fait le, le, les, les trois premières. Ah, une petite question, on oui, se balade comment vais... en Argentine en fait euh, On fait quoi On fait du stop Tu prends le bus Tu prends le train Comment ça se passe Alors, à Buenos Aires, on prend principalement le, le métro, le train de banlieue et le, et le bus. Alors, entre les villes, je voulais surtout dire. Ah, entre, en les, le entre les villes, c'est très simple. Ils ont des lignes de bus qui sont extrêmement développées. Les trains, globalement, en Amérique du Sud sont quasiment inexistants. Ah bon donc, À part à part Buenos Aires, euh, et il y a un train, je crois, qui dessert la banlieue de vidéo. Euh, le, le, le système ferroviaire est extrêmement peu développé. Et y a, je crois qu'il y avait même un projet de ligne à grande vitesse entre Buenos Aires et Cordoba, qui fait Buenos Aires-Rosario-Cordoba, qui est à peu près une ligne droite, et qui, ça fait des années, apparemment, le projet sera à l'abandon parce que trop coûteux, parce que bon, l'État le, n'a pas trouvé les moyens pour le, pour le, pour le mettre à jour. Et, euh, et donc du coup, entre les grandes villes, euh, les gens se, prennent, se, euh, se déplacent principalement en car. D'accord. Voilà. En stop, euh, certains, oui, on peut, on peut faire du stop. Après, c'est toujours pareil. Le stop, hein, c'est un peu aléatoire. Ouais, ouais. Donc euh, mais oui, le, le stop, mais le stop, il vaut mieux savoir où on le fait. C'est-à-dire qu'il voilà, ne faut pas faire le stop. Euh, euh, ça ne va pas vous parler, mais je veux dire, un argentin, si vous lui, dire, euh, si vous lui dites je vais faire du stop à l'aboca, à Constitutionne... Euh, ou euh, Villas à Valetta, euh, il va pas, il va pas vous recommander d'en faire là-bas. Voyez, il faut bien, voilà. Le stop, oui, mais voilà, encore une fois, il faut bien, il faut bien savoir où. Bien euh, sûr. s'il y a euh, du danger. Là, là, moi, je l'ai fait une fois. Euh, je, ça a plutôt bien fonctionné, donc je peux oui. vous le recommander. Mais encore une fois, il faut savoir où le faire. Euh, souvent, évidemment, à la sortie, à la sortie des, on va dire, à la sortie des villes. Hein, si vous le faites en centre-ville, les gens font généralement des trajets. Euh, ouais. Le cours, donc c'est logique mais oui principalement en car les lignes de car sont assez développées et elles sont même je dirais plus développées de ce que j'ai vu euh, mmh. sans aucun problème qu'en France c'est ce pas que logique on dit souvent que l'Argentine est un grand pays ce qui est vrai en termes de surface mais je crois me rappeler que m'avait dit qu'il faut pas oublier qu'une bonne partie du pays est pas habitable c'est une nature sauvage euh... Euh... Oui, oui, tout à fait. Alors, il euh, y a toutes les... déjà la partie pampa, je dirais la partie centre, ouais. centre sud-ouest, centre ouest sud-ouest, qui est, oui, qui est, qui est assez désertique. Ouais. Euh, donc, bon, à part deux trois gauchos euh, et deux trois, ouais. deux, trois agriculteurs, il n'y a, pas, y a pas grand monde. Mm -hmm. euh, donc, moi, je me suis plus concentré sur l'autre partie euh, de la Patagonie qui est beaucoup plus développée. Euh, alors, notamment, je suis euh, donc je suis parti depuis Cordoba. J'avais le choix. Je pouvais partir depuis revenir à Buenos Aires pour aller à Ushuaïa directement tout au sud ah oui. près du Cap Horn euh, ou le faire depuis Cordoba puis finalement j'ai choisi de le faire depuis euh, depuis Cordoba donc j'ai fait Cordoba Ushuaïa à peu près trois heures en avion pour une compagnie qui s'appelle Aerolineas Argentina qui est la compagnie nationale argentine bon donc il a souvent des retards etc qui est pas parfaite mais bon, bon j'estimais que c'était plus plus ou moins correct quoi le service ouais. était euh, était pas il n'y avait pas grand chose à redire. Euh, donc je me suis adapté. Il y a des fois, j'ai fait certains trajets en avion, d'autres en, en cas, ça dépendait de chaque, euh, chaque trajet, chaque. D'accord. Euh... Chaque spécificité euh, en termes de, de difficulté de trajet et donc du coup je suis arrivé à Ushuaia euh, après déjà deux semaines en Argentine je suis arrivé à Ushuaia début avril. Il paraît que c'est fantastique. Oui c'est une ville merveilleuse. Euh, le... En fait on a l'impression pareil j'ai resen... eu un sentiment de paradis non pas par rapport je dirais à la population elle-même mais là plus par rapport au paysage. Ouais. On se croirait vraiment comme dans les Alpes. Oui. Euh, c'est euh, j'ai adoré. Moi ouais, honnêtement ouais. j'ai adoré. Alors les gens qui vivent là-bas euh, bon c'est sûr que niveau météo notamment l'hiver euh, c'est pas on sait pas qu'il y a de mieux. Ouais. Euh, les conditions météorologiques ne sont pas, sont pas très favorables, mais euh, on va dire vivre toute l'année avec des paysages comme ceux-ci, euh, quand, on, quand on arrive à vivre plus ou moins correctement, je pense que c'est. Il y un en bonheur, a beaucoup ouais. qui aimeraient. Ouais, ouais, <laughs> c'est un vrai bonheur. Alors finalement, le, le, le bilan, on va y revenir là encore, mais le, le bilan de l'Argentine pour toi, il est, il est lequel Bon, il, est, il est assez mitigé. Je dirais qu'il y, y a du bon, il y a du moins bon. Mais pour moi, par rapport à des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ouais, euh, hein. largement, oui. oui. Il n'y a, a, a pas photo. Disons que tu photo. as eu plaisir à visiter le pays, mais tu t'es pas projeté dans une vie non. possible euh... Non, non. Et je ne vois même pas. En fait, je me dis juste, euh, là, je, je le dis pour les camarades qui, euh, qui connaissent déjà euh, euh, donc les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Euh, je veux dire, si, vous avez, euh, si déjà certains n'ont pas aimé, par exemple, l'Ukraine ou la Biélorussie. Euh, je doute très fortement qu'ils aiment l'Argentine. Tu veux, veux dire, dire sur le très, plan très, très du retard de civilisation, d'infrastructure, ce genre oui, de choses Oui, euh, par exemple, bon, déjà, il y a très peu. Euh, paradoxalement, le fait qu'ils ont quand même la cordillère des Andes soit, assez, euh, comment -je, soit, soit, soit une zone assez, euh, assez large en termes de, de domaine montagneux. Il euh, y a très peu de stations de ski. Ouais. Euh, après, je ne parlerai pas de retard je dirais juste que c'est en dessous de ce qu'on attend. Euh, standards, quoi. des standards que nous dont parce on que je crois que tu parlais de la sécurité parce qu'autant l'Ukraine est très pauvre autant au cœur des villes moi j'ai jamais eu de sentiment de sécurité non, en Ukraine. ça l'Ukraine est, est bien plus sûr il y, y, y a même pas photo c'est-à-dire ouais, ouais. que le Kiev euh, si je devais comparer Kiev et Buenos Aires euh, je veux dire c'est le jour et la nuit d'accord ok ouais. euh, par okay. contre je pourrais plus comparer Kiev et Montevideo vidéo euh, je dirais qu'on a peut-être plus d'insécurité un peu plus comme c'est l'Amérique du sud il y a peut-être plus d'insécurité à Montevideo mais pas, pas beaucoup plus d'accord hein. voilà. alors après la curiosité t'a poussé au Chili oui, bah, m'a poussé, poussé au Chili, donc après un mois et demi en, en Argentine, euh, j'ai pris, pris le ferry euh, dans, le, euh, dans le sud du Chili, ouais. à Puerto Natales, qui est une, qui est une petite ville euh, très sympathique, je ne suis pas resté très longtemps. Donc on donc, fait juste un petit oui. point global, Donc pour tous les gens qui nous écoutent, ils connaissent vraiment rien de l'Amérique du Sud euh, tous les pays dont on parle, la langue officielle c'est l'espagnol. C'est l'espagnol. Au niveau de la monnaie, c'est très simple euh, peso uruguayen, peso argentin, peso chili. Ah bah voilà, <laughs> comme ça, c'est pas compliqué. Euh, on mettra pendant le, pendant le podcast, là, on va mettre des, des cartes de ces pays dont on parle assez peu, y compris dans l'actualité, même mainstream. Euh, ce ne sont pas des pays dont on parle souvent, surtout le Chili. Vous savez, le Chili, c'est ce pays qui a cette très curieuse forme. En fait, c'est un truc, en, un pays en longueur comme oui, ça tout qui, à fait, fait, qui longe comme ça le Pacifique. Exactement. Je crois que je, je me demande même. Euh, je ne crois pas de dire de bêtises, sur un des pays en termes du nord au sud, ça doit être peut-être le pays le plus long du monde. Oui. Hein. La faudra montagne les Andes occupe une grosse partie du pays. Tout, en tout plus. à fait. Oui, oui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du Chili Alors, le Chili, euh, bon, économiquement déjà, bon, j'ai eu le sentiment que c'était beaucoup plus stable que l'Argentine. Je pense ouais. qu'il y a quand même moins de pauvreté. Euh, par contre, clairement, il y a moins de blancs. C'est-à-dire que. D'accord. Autant, on dirait qu'en Uruguay, donc on était sur du 80-90%. En Argentine, je dirais 50-60%. Oui. Et 70%, le gros maximum. Euh, là, au Chili, on tombe à 20-30% de blancs. Clairement, ah oui. oui, ah, oui. Mais alors, euh, ce n'est pas forcément un phénomène migratoire. C'est que l'autochtone chilien n'est pas forcément un. Oui, c'est-à-dire que euh, bah, le, le. La fait proportion d'Amérindiens est, les... est restée toujours plus grande que dans d'autres. Voilà, plus grande au Chili qu'en qu Argentine. Ouais. Euh, euh, mais après le je dirais que voilà c'est quand même ça reste quand même un pays un pays assez stable euh, donc j'ai pris j'allais dire donc je suis arrivé à Porto à dans le sud j'ai pris un j'ai pris un ferry pendant 4 jours il n'y avait pas de wifi ça faisait du bien ouais. ça m'a permis ouais, de de, 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 de m'occuper de... un peu de ouais. et de, de rencontrer d'autres personnes voilà lors de lors de, lors de ce trajet je suis arrivé ensuite sympa. à Puerto Montt. Alors, bon, Puerto Montt, la nuit, il y a un petit peu, peu d'insécurité. Bon, faut il faire, faut faire un petit peu attention. Euh, mais par contre, à Puerto Montt, il, il y a une ville qui s'appelle Puerto Varas, qui est très jolie, avec notamment euh, des, euh, des descendants d'Allemands. D'accord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs, y a plusieurs euh, musées allemands euh, dans le sud du Chili dont, dont certains que j'ai visités et c'était pas, c'était pas, c'était pas inintéressant. Mais je me suis rapidement rendu compte que euh, malgré le fait qu'il n'y bah, ait pas beaucoup de Blancs au Chili, c'est quand même l'héritage européen encore une fois euh, qui fait que le Chili euh, reste un pays. Oui. Voilà. D'accord. On, on... En fait, non, à... je, je ne connais bah... pas tout le Chili. Alors, c'est euh, quand on dit un Chilien euh, ethnique, c'est quoi C'est des descendants d'Amérindiens. De, oui, euh... c'est un mélange, un mélange entre Amérindiens et blancs. On va dire un peu moins marqué que copéro qu en Bolivie, D'accord. Voilà. Okay, Donc c'est okay. le, le juste milieu entre l'Argentin et le Péruvien. Ouais. Ouais. La, la vie dans la capitale, elle est agréable. C'est comment En journée, ça va. Il n'y a pas une grande insécurité. Par contre, la nuit, ouais. euh, c'est pareil, un peu comme à Buenos Aires. <laughs> Faut faire assez gaffe, euh, c'est, on va dire, c'est pas, c'est pas l'idéal. Bon, j'ai pas été convaincu par Santiago. C'est quand même, il y a quand même de l'héritage en panne, Il y a même une une, une réplique du Sacré Cœur, Tiens. à Santiago, ouais, ouais. Euh, qui a une, qui a l'extrémité, si je dis pas de bêtises, euh, ouest de la ville, euh, que j'avais vu en passant. J'ai pas eu le temps d'aller faire un tour malheureusement, parce que j'avais beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir. Euh, donc, on, on va dire que assez mitigé. J'avais moins d'attente sur le Chili, donc j'ai moins été déçu. Euh, les... J'ai essayé plusieurs restaurants. Il y a pas mal de restaurants de poisson. Le, le, ouais. le poisson est d'excellente de, qualité. Je dois bien l'admettre. Mm -hmm. euh, je me suis, je me suis quand même, je me suis quand même régalé euh, parce que la gastronomie argentine, à part les et uruguayenne, à part bon certains, certaines viandes, certains steaks. Euh... Bon, j'ai pas été très convaincu. Ouais. Au Chili, au Chili, j'ai trouvé que la gastronomie était euh, était un cran au-dessus. Voilà. D'accord. Ça, ça m'a bien plu. Alors après, à oh, Santiago, vous pouvez notamment aller au ce qui s'appelle Caron de Maipou. C'est une zone montagneuse, donc à une heure de Santiago, notamment qui se termine avec une avec un, un grand lac euh, où en fait. Euh, les, euh, les agences de tourisme chiliennes ont l'habitude de, de pique-niquer oui. euh, avec, euh, avec les clients. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça très agréable. C'est-à-dire euh, pique-niquer, euh, voilà, un, apéro, un apéro saucisson pinard. Ah, <laughs> ouais, ouais. Et Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ouais. que c'était vraiment très bien. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, euh, de par la, la bizarrerie un peu géographique du pays, ça doit être un peu difficile de circuler, non Ou Comment ça se passe euh, Oui, alors il est conseillé notamment pour, pour rejoindre le, le nord du pays, notamment le, 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 le désert d'Atacama, de le faire en avion, oui il y a beaucoup de gens au Chili qui se déplacent essentiellement en avion d'accord après il est conseillé pour les trajets en bus de faire des courts trajets c'est à dire pas plus de 3 4 heures pourquoi euh, bah parce que les, les trajets en montagne sont assez sont assez difficiles sont assez longs euh, sont assez fatigants ouais. euh, voilà il y a beaucoup de beaucoup de virages beaucoup de beaucoup comment dirais-je les routes ne sont pas toujours euh, pas toujours parfaites donc euh, il faut bien anticiper quand on sait que on, potentiellement on va faire un trajet en bus assez long notamment de nuit, il faut bien voilà il faut bien anticiper la fatigue parce que sur les longs trajets euh, et j'ai eu des retours de notamment de touristes français euh, qui ont fait pas mal euh, qui voyageaient quasiment uniquement en bus par euh, ouais. de par leur budget et euh, fatigant il est il est vrai que oui euh, il faut vraiment bien gérer la fatigue parce que quand euh, quand on n'a pas on va dire tout son temps ouais. euh, il vaut mieux préférer de moi de mon point de vue, si on a les moyens de payer un tout petit peu plus cher mais de, de passer trois fois moins de temps ouais. que de payer 5 euros mais de faire un trajet de 20 heures D'accord ouais. Y a trop, des trajets, fatigant, on a tout il y a des trajets trop fatigants quoi. On a dit de savoir que il y a il y a parfois des trajets jusqu'à 80 90 heures de bus pour oui, certains oui, oui, trajets entre plusieurs pays. Donc 5 jours de bus, 5 ouais. jours de bus, alors après évidemment, il y a des repas compris etc c'est pas c'est pas fait euh, oui, oui. c'est pas fait n'importe comment mais euh, oui oui, faut, faut aimer le bus quoi. Voilà, bon, oui, ceux oui. qui veulent voyager en bus au Chili quand vous voulez faire des longs trajets, il ne faut pas vous plaindre après. Quoi. Mmh, je vois, ouais. Au Chili, qu'est-ce qui t'a marqué d'autre qu De quoi peux-tu nous parler euh, Alors, les, les volcans. Il y a, y a ouais. plus de volcans au Chili. Euh, la, la plupart des volcans d'Amérique du Sud se situent principalement Chili, Équateur, euh, Venezuela, Colombie, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai qu'au Chili, il y en a un certain nombre. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Ça faisait un peu Japon. Euh, ça, je trouvais ça... Euh, euh, notamment donc, euh, près, de, près de Puerto, euh, Puerto Montt, il y a la petite ville de Puerto Varas et euh, Frutillard. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est vrai que euh, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je mm -hmm. me sentais par un côté très européen, très tranquille, très calme, ouais. euh, très apaisant. Et du coup, euh, il, il est vrai qu'il voilà, y, a, y a certains coins dans le sud du Chili par lesquels je suis passé, où je me suis senti vraiment très, très bien. D'accord. Je ne mmh. me suis jamais senti en totale, totale sécurité, même suis globalement, voilà, je, je me sentais quand même assez détendu. Euh, mais euh, mais c'est vrai que donc ça, c'était avant d'arriver à Santiago. Et puis Santiago, après, euh, le, le, le seul truc, je dirais, c'est qu'ils intègrent, le gouvernement chilien intègre depuis… Euh, depuis quelques années, euh, des Haïtiens, un certain nombre d'Haïtiens. Des changent pour donc, le Chili. Des chances pour le Chili, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, le, il y a énormément d'Haïtiens qui travaillent maintenant au Chili. Euh, qui sont intégrés de presque, je ne sais pas si c'est de force, on pourrait presque dire ça, puisque je, ouais. je, je m'étonnerais fort que ce soit les Chiliens qui réclamaient. <laughs> <de Coréacrie. rire> on veut des Haïtiens. On veut des Haïtiens. Absolument. <laughs> euh, donc, euh, donc, à Buenos Aires, c'était plutôt de quelques. Il n'y en avait pas beaucoup du Somalien, du Nigérian, là c'était de l'haïtien. En, voilà, en Santiago il y en a, il commence à en avoir un certain nombre. Évidemment, puisque le gouvernement l'encourage, c'est comme en France, on, oui, on a rien à faire quand il en l'État. Évidemment, ouais, l'État voilà. le veut, donc voilà. Donc les, ça arrive. Quoi. Les Chiliens ne peuvent que que subir. Et, euh, et du coup, euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même des coins, euh, pareil niveau nature, euh, assez assez tranquille. Ouais. Euh, donc euh, c c voilà, c'était. C'était pas mal. Euh, bon, ça reste, euh, ça reste en partie, tiens mon disait notamment euh, Valparaiso. Alors Valparaiso, c'est à une heure et quart de, de Santiago sur la côte. Ouais. C'est une espèce de ville colorée, alors qu'adore les gauchistes. Alors ils sont capables d'y passer un mois, deux mois. Bon, moi, j'y ai passé qu'une qu après-midi parce que je me sentais, enfin, je trouvais ça très pauvre. Je me suis pas du tout senti en sécurité. Et je suis allé euh, le lendemain à Vina del Mar. Donc mm -hmm. j'avais déjà passé une semaine à Santiago à ce moment-là. Je, je ouais. D'abord, évidemment, j'ai déjà fait faire le centre de Santiago. Euh, avant d'explorer de, les alentours. Et donc, du coup, euh, en une heure, de, une heure, une heure et demie de bus, donc vous arrivez sur la côte. Donc, euh, Valparaiso, puis Vina del Mar. Vina del Mar, donc, c'est un peu plus blanc, c'est un peu plus tranquille. Euh, bon, euh, c'était assez sympa. Il y a même un tour de tennis international qui s'y déroule, déroule. Ah oui, donc, euh, je me disais ouais. que ça me disait quelque chose. <laughs> voilà. Et d'ailleurs, à euh, Santiago, il y a aussi euh, un héritage européen au niveau des vignes. Mm -hmm. Ils ont pas mal de, de vignobles, ce qui était le cas aussi à Mendoza, qui est la ville ouais. des vins en Argentine. Euh, et euh, voilà mais ce sont des cépages voilà encore une fois c'est principalement c'est l'héritage européen c'est-à-dire que sans les Européens ce n'est pas l'indigène chilien oui. qui euh, c'est pas la culture locale tout à fait c'est pas ouais. la culture locale de base et encore une fois c'est l'héritage européen qui fait qu'ils ouais. arrivent à en exporter finalement Donc, si j'avais à résumer je dirais que ton impression générale du Chili c'est que tu as eu plaisir à visiter le pays mais c'est assez anecdotique en fait tu ne vois pas il tu t'y projettes pas oui tu... je, dirais, oh, je dirais pas quand même anecdotique mais je dirais par exemple moi ouais, ce qui m'a vraiment surpris c'est que par exemple il y a le métro euh, sur, la, sur la côte il y a le métro voilà il mm -hmm. y a un métro assez moderne pareil il y a le métro de Santiago et pas, et, et pas mal du tout euh, au niveau des infrastructures c'est pas si mauvais c'est vrai ça. que j'ai regardé des photos sur internet de Santiago parce que quand tu m'as parlé de ça j'ai réalisé que c'était une ville que je connaissais pas du tout et j'étais agréablement surpris par le niveau de, bah, de modernité ouais, effectivement des architectures aussi euh... oui euh, c'est un un Mélange entre c'est moins... moins beau que Buenos Aires par exemple, mais ouais. euh, voilà comme de l'héritage européen. Il y a la place des armes où il y a une, il y a une... Il y a une église, une cathédrale très très jolie à visiter. Ouais, euh... c'est que le nombre d'églises et de cathédrales en Amérique du Sud, c'est justement. J'allais te demander, je pense que la pratique religieuse elle est, elle est plus forte qu'en qu Europe actuellement, en Argentine ou en Chine non je dirais le, le similaire je dirais Et similaire donc ouais, c'est une culture chrétienne catholique Culture mais... chrétienne catholique assumée ouais euh, mais il n'y a pas euh, le nombre de pratiquants euh, c'est peut-être il y en a plus je pense au, au Pérou en Bolivie je pense que les, les pays plus indigènes je pense que ce il y a plus, y a plus de, de catholiques pratiquants au Pérou qu'au Chili en Argentine ça j'en suis quasiment certain mais justement as fini ta route au Pérou alors euh, là on est dans, dans un voyage un peu différent là Pérou c'est alors après être passer par le désert de l'Atacama pour terminer mon séjour ah, chilien c'est vrai ouais. qui était vraiment euh, il voilà, y a énormément de choses à faire, etc. Je ne suis pas resté longtemps, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a un tas de choses à faire. Il y a notamment à San Pedro, la nuit, quand il fait beau, c'est un des ciels les plus purs du monde. Et en fait, il y a notamment ce qu'on appelle l'excursion nuit étoilée. Mm -hmm. Et en fait, euh, est, euh, alors, elle est assez chère, mais par contre, quand il n'y quand il euh, a vraiment aucun nuage, c'est un des meilleurs endroits de la planète pour observer les étoiles. Et c'est juste absolument apparemment des retours que j'en ai eu Moi, j'ai n'ai pas eu le temps de la faire. Elle est souvent annulée pour cause de, de couverture nuageuse. Mais euh, il, apparemment, on a, une, on a une vue étoilée qui est absolument phénoménale. D'accord. Digne, on va dire, ce serait l'équivalent des aurores boréales dans la, en Finlande ou en Norvège. Quoi. Donc là, on pourrait dire pour les voyageurs à sac à dos qui, qui aiment voir du beau, euh, qui aiment découvrir de la nature, on a quand même des, des beaux spots. Tout refusant. à fait. Oui, on, on, on a quand même de très, très beaux spots, très sincèrement. Mm -hmm. Entre les volcans, le désert. En fait, il y a beaucoup de paysages. C'est ce qui est plaisant en Amérique du Sud, c'est la diversité des paysages. Euh, ouais qui est qui, est, qui est certes assez étendu euh, mais euh, mais qui vaut souvent le détour très sincèrement d'accord ouais, c'est vrai et donc après donc euh, après être euh, passé par l'Atacama je suis redescendu en, en transit sur Santiago euh, mmh. pour euh, pour aller euh, donc au Pérou euh, alors euh, j'avais déjà eu quelques idées du, du Pérou parce que j'ai une ouais. connaissance euh, péruvienne qui m'en a beaucoup parlé qui m'a surtout <rire> surtout <rire> Fais vent de l'insécurité qui régnait, notamment ouais. animal à Lima, la capitale. Et finalement, quand j'y suis arrivé, étant donné que j'étais déjà passé par l'Argentine, eh bien, euh, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais vraiment euh, au pire. Je m'attendais à voir des mecs à capuche partout, des latinos un peu bizarroïdes. Ouais. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que, bah, que c'était un pays monoethnique, oui. euh, de descendants d'un que euh, y a certains quartiers de Lima où il faut pas aller où bon j'ai pas mis les pieds mais il y a des quartiers de Lima où il y a aucun souci on peut marcher de jour comme de nuit euh, voilà il y a, vraiment les quartiers effectivement de nuit, de, de nuit et certains quartiers où il faut faire très attention mmh. euh, je pense notamment alors, au niveau des quartiers sûrs, je pense notamment à Baranco et Miraflores, qui seraient un peu le 15e et 16e arrondissement de Paris, mmh. et qui sont, euh, qui sont vraiment très, très sûrs. Sinon, globalement, on est sur un pays d'Amérindiens qui vivent Sur d'Amérindiens qui est en croissance économique depuis quelques années. D'accord. Et, euh, et qui dispose, euh, on va dire, qui, qui est, qui est vivant. Enfin, une, une capitale assez vivante, assez dynamique. Euh, bon, évidemment, euh, voilà, comme ce ne sont, ce sont, ce sont, ce sont pas des Blancs, bah, forcément, il peut parfois y avoir une certaine hostilité à l'égard des touristes, mais pas, pas non plus vindicative. Oui. Euh, je n'ai pas senti non plus de repentance, enfin, euh, pas de repentance, d'accusation de, anti-espagnol, oui, etc. Et – ressentiment colonial. – Ressentiment en oui. colonial, notamment quand j'étais à Cusco, là, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Euh, donc, euh, les, mes premières impressions étaient été plutôt, plutôt bonnes, même si je sais encore une fois que dans certains quartiers de Lima, c'est un peu… Euh, c'est un peu compliqué, mais encore une fois, sorti de Lima, le reste du Pérou est assez assez sûr quand même. Ouais. C'est pas, on peut quand même se balader un pas à l'endroit du pays sans aucun problème. c'est un pays très montagneux, très montagneux là tout encore, fait. Euh, où il y a des, des beaux monuments. Alors c'est du très galé. Tout à fait. Le centre de Lima est très joli, le centre historique de Lima est vraiment très joli. Les bâtiments sont très entretenus parce que j'ai remarqué que notamment certainement par la présence en Uruguay en Argentine. Il y avait certains tags sur certains monuments, ouais. euh, ce qui n'était pas le cas au Pérou. Ouais, Alors oui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y en a jamais ou si c'est parce que l'État péruvien les nettoie régulièrement. Euh, mais en tous les cas, les, 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 les bâtiments de... espagnols, les, les églises, l'architecture les, les... était dans un état impeccable. Ah, vraiment impeccable. Ouais. Euh, pareil, niveau propreté, je m'attendais vraiment... Euh... Voilà, j'ai pas vu beaucoup de saleté, c'est assez propre. Euh, ouais, J'étais plutôt agréablement surpris. Je m'attendais vraiment au pire. Hein. Vu ce que mon ami me disait, je m'attendais oui, vraiment. Je vraiment à ce Je comprends. dans <laughs> une vision déformée, que... déformée parce que nos, nos amis gauchistes sur les campus en France, euh, quand ils s'habillent en péruvien, nous donnent une image bien crasseuse du Pérou. Tout à fait. Qui ne correspond pas forcément à ce que c'est sur place. Non, non, c'est vrai. Et, euh, et très honnêtement, euh, il voilà, y, y a beaucoup de péruviens, même de voilà, d'indigènes de péruviens, qui sont vraiment très, 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 très sympathiques. D'accord. Euh, voilà. Il y a. À aucun moment, je me suis dit, putain, vivement que je me casse, quoi. D'accord, je, ah, okay, je okay. dis clairement. Voilà. Donc, euh, tu as fini sur un truc assez doux, apaisant, contemplatif. Voilà, exactement. Et j'ai bien, euh, bien fini le séjour. Et finalement, euh, ce... c est, c est, euh, avec l'Uruguay, le, c'est le le, le, les deux pays monoethniques. quoi. Euh, ah, parce oui, que le, 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 le Chili, donc, euh, notamment avec la présence d'Haïtiens, bah, est en train de devenir multiculturel. L'Argentine l'est déjà, enfin, de mon opinion. Oui. Euh, et le, le, on va dire que l'Uruguay et le Pérou sont deux pays euh, mono-mono-ethniques. C'est intéressant que tes deux coups de cœur sont, correspondent finalement euh, à deux pays. Euh, plutôt, oui, parce que euh... bah, 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 moi j'avais toujours cette idée, je me dis, bon, un pays de non-blanc, bon, euh, pff, Ouais et finalement et, je, je, et là surtout pour Cusco donc je suis resté que trois jours à Lima et j'ai préféré euh, rester plus de temps à Cusco parce qu'il y avait mmh. plus de choses à faire c'était plus intéressant donc pareil Cusco le centre historique très joli euh, l'héritage espagnol dans un état impeccable euh, le beaucoup plus de tranquillité euh, le là on peut sortir le soir dans à peu près tous les quartiers de la ville sans aucun problème mmh. euh, et il euh, y a beaucoup là voilà, le, le, le alors c'est là notamment où on part quand on va faire le Machu Picchu ce que j'ai fait ah, oui. j'ai fait <laughs> plusieurs excursions donc, dont le Machu Picchu et alors le Machu Picchu, information très importante, donc on peut le faire en train on peut y aller en train ou en bus le problème c'est que le train je crois que si on veut le faire de quasiment depuis Cusco le, le, le prix du billet je crois est entre 150 et 200 euros, avis Oula. aux amateurs <laughs> ah ouais quand même ouais. donc j'ai préféré y aller en bus donc c'est, euh, alors en fait donc euh, vous mettez 8 à 9 heures en bus vous vous arrêtez à une centrale hydroélectrique où il y a un restaurant pour se restaurer qui est compris dans le prix d'excursion, parce que la plupart du temps Enfin, euh, vous pouvez le faire vous-même mais le plus facile c'est de le faire en excursion donc euh, généralement pour des excursions en Amérique du Sud où ça dépend mais généralement c'est entre 30 et 40 euros mais euh, souvent ça vaut le coup honnêtement on en a vraiment pour son argent et euh, je, ce que je ne savais pas c'est qu'en fait c'est un anglais qui a redécouvert le Machu Picchu d'ailleurs le train du Machu Picchu porte son nom en, pour les rendre hommage et en fait c'est un, un, un anglais euh, mm -hmm. il, y a, il y a 80 ans il, a, il savait qu'il y avait euh, de l'héritage inca près de Cusco et il savait que, notamment que le, le Machu Picchu euh, euh, y était présent. Mmh. Et en fait, quand il est arrivé, c'était totalement euh, recouvert par les arbres. Ouais. Et en fait, c'est lui qui l'a remis au goût du jour, qui l'a. Euh, comment dirais-je euh, euh, Qui l'a rendu. Euh, qui lui a donné son aspect, euh, son aspect actuel. Et donc, du coup, depuis ce temps-là, le, le, le train du Machu Picchu qui a, qui a été créé quelques années après porte son nom. D'accord. je n'ai plus le nom, le, le nom ne me revient plus. Mais en tous les cas, euh, voilà, c'est un, 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 on va dire, j'allais dire reboisé, c'est un, un Britannique qui, euh, qui a remis euh, le, le Machu Picchu que les touristes hein. connaissent aujourd'hui au goût du jour. Par contre, il faut, faut être honnête, euh, j'y suis allé hors saison pour échapper un peu au tourisme de masse. Mais euh, parfois, voilà, le Machu Picchu. Euh, oui, c'est hyper dans les embouteillages. Ah, oui, quoi. oui, il y a des embouteillages. Et en fait, l'État le... péruvien a même mis des ratios. En fait, il y a tel nombre de places entre telle heure et telle heure parce que sinon, il y a, il y a trop de monde. voilà D'accord. Oui, oui, je comprends. Ouais. Bon, on a... Écoute, on a un joli panorama déjà de, de l'Amérique du Sud. C'est un bon premier échantillon. Euh, je vais revenir sur certaines thématiques euh, pour terminer qui sont celles qui peuvent concerner les nationalistes et surtout les gens qui nous écoutent. En particulier, oui. les gonzesses. Alors, <laughs> j'aurais mis une heure à y arriver. <laughs> Je ronge mon frein depuis 50 minutes. J'en peux plus. <laughs> non, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette thématique. Évidemment, tu es, es, es un jeune homme. Tu étais parti seul. Oui. Euh, tu es sorti un peu, euh, notamment en Uruguay, en Argentine. Alors, oui. comment tu comment as ressenti les relations hommes-femmes Alors, moi, j'ai ressenti... Euh, les... J'étais agréablement surpris, je m'attendais à ce qu'il y ait un fort féminisme. Alors agréablement surpris, oui et non, parce que je sais qu'en Argentine, les Argentins ont dit non à l'avortement euh, euh, en 2018, et euh, du coup, euh, bon, je savais qu'il y avait encore un côté réactionnaire qui, qui persistait, mais euh, je n'ai eu aucun souci, euh, on va dire, euh, pour, avoir des, 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 pour faire des rencontres, pour avoir des, des relations plus ou moins longues lors de mon séjour. Euh, c'est un peu le jour et la nuit avec la femme moyenne française, honnêtement. Très, enfin, je, y a même à, pas photo. À quel quoi. niveau Tous les niveaux. Euh, en termes de douceur, en termes de, on va dire, de disponibilité, en termes de, de, de prise de tête. Enfin, c'est tout tout ce qui est compliqué en France, euh, en Amérique du Sud est beaucoup plus, beaucoup, un peu comme encore un peu comme en Europe de l'Est là pour le coup euh, est beaucoup plus simple. Alors évidemment, il y a des féministes, il y a des euh, il y a des blanches féministes en, en Uruguay, en Argentine, mais vous trouverez sans problème. Je veux dire, si vous cherchez bien, sans souci, vous sortez un peu. Euh, oui. Je veux dire, je suis sorti, j'ai dansé avec des filles, j'ai eu voilà, quelques quelques relations. Mm -hmm. euh, je veux dire, vraiment surpris. Ouais, des... Par exemple, notamment, je pense à une fille qui m'a fait le tour de sa ville, euh, euh, tour de sa ville en voiture. Je n'y avais rien demandé. Oui. Elle m'a oui, oui. proposé. Ok, une générosité. Une générosité. Hein. Euh, j'ai même, je suis même tombé sur une Argentine, euh, Nietzsche. Ouais. <laughs> Ah, C'était ouais. pas pour me déplaire. Ah, <laughs> ouais, ouais. Vous faites la culture, est il y a l'intelligence. Voilà, tout à fait. Et euh, les, les, surtout quand vous êtes européen, euh, vous, vous êtes une plus-value au niveau des femmes. Oui. Si vous voulez, c'est un peu comme à l'Est. C'est-à-dire que les hommes, euh, les hommes ont choix là-bas. Donc, du coup, en fait, c'est plutôt les femmes qui sont en demande. Et donc, du coup, forcément, euh, vous avez plus de possibilités qu'en France. Il y a toujours l'idée d'un raffinement plus important venant oui. de l'Europe. Oui, euh... tout à fait. Et euh, je pense notamment. Euh, je pense notamment à euh, euh, certains qui me parlaient de. Euh, on me parlait de Charles Aznavour, on parlait de Jean-Paul Belmondo, d'Alain Delon. Euh, donc, euh, ça, on va dire que la, la, la France qui, nous, nous, on va dire, nous reste au fond du cœur euh, est également celle euh, dont, elle, les gens ouais. nous, dont les gens nous parlent. Oui, euh, c'est vrai. Ça. Je, je n'ai pas eu la chance comme toi d'aller en Amérique du Sud, mais dans, dans le cadre de mon parcours étudiant, oui. j'ai rencontré des, des femmes, en hein, particulier euh, argentines, brésiliennes. J'ai été surpris par leur niveau de connaissance du cinéma européen des années 50, 60, 70, euh, la nouvelle vague, le néoralisme ouais. italien. Elles ont beaucoup de cultures, je euh, vais dire classique, non, mais enfin correspondant à à Une Europe qui n'est plus à la mode en Europe chez nous, quoi, c'est étonnant, tout à fait. Et je tiens à dire que même, euh, même des féministes argentines étaient dix 10 fois, cent fois plus agréables que des ouais, féministes français. Alors, effectivement, le féminisme en Amérique du Sud il est arrivé beaucoup plus récemment, donc ça peut mmh. aussi s'expliquer. Ceci explique cela, oui. Ceci étant, euh, c'est encore une fois le, le, ouais, le jour et la nuit, quoi. Mmh. C'est vrai que en termes de difficulté une facilité de rencontre, je veux dire, et surtout, je veux dire. Quand vous, vous entendez bien avec une fille virtuellement, vous la voyez, ça se passe bien. Il voilà. n'y a, a pas de piège. Il n'y a, a pas, pas de... de piège. Elle ne tente pas. Voilà. Quand, euh, quand, <laughs> quand, vous venez, quand vous venez la voir, vous ne vous posez pas 10 000 questions. C'est-à-dire que vous discutez avec elle. Si ça se passe bien, vous vous embrassez, vous sortez ensemble. Si tu es Et... déjà arrivé à l'étape de la rencontre, tu as fait une grosse part du boulot. Euh, Il oui, n'y a vous pas avez de fait, revirement vous avez fait, euh, de situation. Tout à fait. Alors euh, je tiens à dire pour ceux qui sont intéressés euh, par les femmes, euh, femmes sud-américaines. À partir du moment où vous arrivez à l'étape compte, vous avez fait 90% du travail. Après le reste, c'est du gâteau. Du gâteau voilà. <laughs> Alors même sont sur les femmes, mais dans un pays qui est différent, qui est le Pérou, je voulais te demander, est-ce que peut-être comme c'est plus pauvre et qu'il y a cette différence ethnique, est-ce qu'il y a ce par exemple parce qu'il y a une place de la prostitution péruvienne pour ouais. avec les Occidentaux euh, Comme moi je me souviens quand tu allais en Cameroun avec Dieudonné. J'ai été alpagué, mais quasiment d'une manière agressive, par des femmes qui voulaient avoir des relations sexuelles tarifées. C'est-à-dire en fait, en gros, euh, je suis un blanc, je suis une tirelire. Euh, voilà. Je voulais savoir si tu as connu ça au Pérou. Mais tu non, me dis non. Non, non, apparemment. non, pas du tout, pas du tout. Il euh, y, y a un respect, un respect de l'homme européen qui reste, qui reste très présent. D'accord. Et au contraire, encore une fois, c'est pareil. Vous êtes une valeur ajoutée, sans pour autant être, un, être le pigeon de service. Si D'accord. Je comprends. Euh, chose que j'ai pu ressentir un petit peu alors, euh, je sais que certains vont, vont grincer des ouais. dents quand je vais dire ça Ch chose que j'ai un peu ressentir en Ukraine avec certaines oui, oui bien sûr non non, non non mais tout à fait il faut être très prudent euh, il voilà. faut faire attention bien sûr euh, donc oui bah, c'est un retour euh, tout de même assez intéressant alors au niveau du du métissage est-ce que ce sont des pays quand même qui sont pas intégralement euh, blancs euh, est-ce que par exemple en Argentine tu as vu beaucoup de coupes euh, interethniques ou au Chili euh, non, honnêtement, non. Euh, non, principalement, généralement les blancs, les blancs... c'est pas un phénomène, quoi. Non, c'est pas un phénomène. D'accord. C'est pas un phénomène, après, euh, il, doit être, il doit être présent un petit peu culturellement. après, mm. euh... Non, je dirais, en tout cas, ça a pas sauté aux yeux. Ah, à un moment, je me suis dit, là, euh, quand même beaucoup de couples euh, blancs, blancs noirs ou blancs latinos, etc. Non. En généralement, les blancs ont okay. tendance à rester entre okay. eux. Okay. Il a pas... Voilà. Tu as fait quand même qu quatre pays assez différents et assez distants les, les uns des autres euh, pour le, le niveau de vie en fait. Euh, bon tu as dit combien il fallait à peu près pour, pour, pour être en vacances mais euh, est-ce qu'il y a une grande disparité euh... Oui alors l'Uruguay domine très largement. Ouais. Euh, tu m'avais dit qu'on appelait ça la Suisse de... La Suisse de... de la mer. Enfin c'était le, le, surnom, le surnom donné à certains Européens par le passé à, à ce pays. Ouais. Je pense qu'il n'est pas galvaudé parce que étant donné le, le niveau d'infrastructure et le... Et le niveau d'éducation des gens sur place, je, je, je suis prêt à valider ce propos. Euh, mais il faut savoir que, notamment même par rapport au Costa Rica, l'Uruguay est vraiment le pays le plus cher de l'Amérique latine et Amérique centrale compris. C'est euh, quasiment aussi cher qu'en France. Il y a un haut niveau de vie, il euh, y a quand même un des plus bas niveaux de pauvreté du, du continent sud-américain. Y compris pour l'immobilier oui, à l'immobilier est vraiment abordable. Ah, Je crois qu'à monter vidéo, et pour le montée vidéo, le prix du mètre carré doit être compris entre euh, allez, une fourchette de, entre 1500 et 2500 euros. D'accord. Donc en fait, au quotidien, on est sur des prix qui peuvent être vo voisins de ce qu'on a dans les villes françaises, mais l'immobilier reste plus abordable. Tout à fait. C'est possible de se projeter. Et en fait, le, le gouvernement, alors là, je sais qu'il y a des élections prochainement, notamment en Argentine et en Uruguay. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'équivalent du, du Rassemblement national en Uruguay se nomme Partido Blanco, Parti Blanc. Ce <laughs> n'est ah, pas, un... pas une blague. <laughs> C'est marrant ça. Ça, a pas comme tout. <laughs> non, et d'ailleurs, il est donné favori pour les élections qui ont lieu dans deux semaines. Vous voyez, ah bah, euh, que demande le, table, le peuple Parfait. Et, euh, et donc, du coup, donc, oui, donc, euh, le, le prix, on va dire, le, pour à peu près tout, euh, que ce soit nourriture, vêtements, les prix sont assez élevés en, en Uruguay, mais l'immobilier est abordable. Euh, en Argentine, euh, l'immobilier euh, est à peu près comme en Uruguay, mais mmh. euh, l'économie est beaucoup plus instable. Donc, euh, Puis de toute façon, vu ce que tu nous en as dit... Euh... Quelque part, j'ai envie de te dire, on n'a pas envie de s'attarder parce que s'il y a un tel niveau d'insécurité, on quitte pas la France pour aller dans un pays Exactement. où on ne se sent pas bien avec ses enfants. Tout à, tout à fait. Personnellement, ce n'est pas cohérent. Moi, Moi j'y vois plein de terrain. Alors, certains vont dire oui, mais. Euh... On peut toujours aller dans des coins de Patagonie, etc. Oui, mais il faut savoir que pour ceux qui, qui y pensent, euh, déjà, ce sont des terres qui appartiennent pour la plupart, la plupart du temps, aux gauchos. Mmh. Euh, le, on voilà, ne le, leur pique pas comme ça, si je puis dire. Ouais. Et de toute façon, ça va être à vous de vous intégrer à eux. Je veux dire, soit vous devez, je veux dire, pour vivre dans, dans des dans les coins tranquilles de, de Patagonie, donc soit vous êtes Florent Pagny, vous avez du fric et vous <laughs> pouvez acheter directement une maison, ouais. voilà. Dans un petit coin de paradis, ou soit bah, vous êtes un peu fauché et vous devez euh, vous assimiler au pays et vous devenez quasiment gauche vous-même. D'accord, après vous hein, devoir, à, encore après, autre chose quoi. un autre choix d'existence. Après à vous devoir. Ou alors vous spécialisez dans le tourisme, c'est-à-dire ouais. que vous êtes guide de montagne et vous euh, vous décidez d'aller euh, d'être guide de haute montagne euh, en Patagonie. Mmh. C'est une possibilité. Mais euh, mais moi je ne vois pas en termes de on va dire c'est-à-dire de communauté en termes d'esprit de, de, de groupe, je, vois pas, oui. je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas comment on de... pourrait s'enraciner comme ça. C'est possible, mais euh, on va dire il y, y a trop de conditions défavorables, de mon point de vue, pour, pour permettre d'y arriver. Voilà, D'accord. Et quant à l'Uruguay, qui t'a plus davantage, est-ce qu'il y a des possibilités Tu as eu la curiosité de chercher des possibilités de job, par exemple, est-ce que... Est-ce qu'un Européen peut avoir sa place là-bas oui, Dans oui, quel domaine problème, euh, de, Pour acheter, déjà, il n'y a, ouais. euh, a pas trop de difficultés. Il y, y a beaucoup d'Européens qui achètent sans aucun problème en, en Uruguay. Je crois même que certains Américains. D'ailleurs, il y a même, euh, pour vous dire, il y a même le, le fils Trump qui a une tour euh, à son nom, qui a fait, créé sa propre tour, à Punta del Este. Voilà, D'accord, euh... ah, <laughs> ah, Bah tiens Ah ben, ils ont les bons plans, les mecs. <laughs> Et donc, euh, donc oui, euh, on va dire que c'est c'est ce qui serait euh, c'est ce qui serait je pense le, le, le plus intéressant oui mm. de, tout, de tout ce que j'ai fait et après le Chili euh, c'est encore une fois c'est comme euh, j'allais dire c'est comme l'Argentine euh, Chili c'est un peu plus cher l'Argentine n'est vraiment pas chère en plus comme la, la, la monnaie se casse un peu la figure euh, c'est vrai que pour y voyager c'est euh, assez avantageux financièrement parlant oui ce mais... que j'allais te dire effectivement si euh... mais euh mais je veux dire euh, pour, pour y voyager après oui. pour y vivre euh, autre chose je ouais. préfère voilà. et le, je sais que l'insécurité a un peu augmenté en Uruguay ces dernières années on me disait qu'il y a encore 10 ou 15 ans on pouvait dormir fenêtres et portes ouvertes dans le centre-ville de Montevideo sans qu'il ne se passe rien incroyable ouais. <laughs> <laughs> c'est moins le cas maintenant pour la simple et bonne raison que les gouvernements socialistes successifs ont légalisé la marijuana il y a ah. une, une autre drogue qui s'appelle la pasta bassée, qui est proche de la cocaïne et qui ferait des ravages chez beaucoup de jeunes alors, euh, ce qui est marrant, c'est que en Uruguay, l'insécurité, on en a parlé, je ne l'ai jamais vu. Mmh. Euh, en Argentine, on en a parlé également, je l'ai vu tout de suite. D'accord. C'est okay. <laughs> ton expérience, en tout cas. Voilà, tout à fait. Ouais. Et euh, alors, est-ce que tu as pu, tu as eu le temps un peu de, de doser, euh, de, de deviner un peu les avis politiques des gens Est-ce que tu as eu le temps de parler de la situation en France Comment est vue la France depuis là-bas euh, Qu'est-ce qui se profile à l'horizon Est-ce qu'il y a un, un antiracisme enfin, tout à... Sur la politique, quel est ton ressenti Alors, euh, énormément. Moi, j'ai un sentiment, j'ai un double sentiment. Euh, L'Uruguay, je pense, est dans la bonne direction, puisque les gens euh, sont lassés du socialisme et en ont marre oui. d'insécurité qui me disent que ça a augmenté, donc je les crois. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'ils sont sur le point, on va dire, ils se droitisent. L'Argentine, à l'inverse, se gauchise. Ah. C'est-à-dire que, le... certes, les Argentins ont dit non. Euh, à l'avortement l'année dernière. D'ailleurs, il y avait un responsable argentin, un sénateur argentin qui avait été invité lors de la marche pour la vie l'année dernière. Euh, mais en fait, euh, c'était qu qu'une question de temps. C'est-à-dire que le, le, le référendum sur l'avortement aurait lieu deux ans après. Le oui l'emportait. Euh, donc en fait, euh, je vous explique. Donc actuellement en Argentine, ils ont euh, Mauricio Macri, qui est l'équivalent d'Emmanuel Macron. Ouais. C'est un libéral vaguement patriote. Et là, il va, euh, il va affronter au, au, lors des prochaines élections, il sera le principal euh, adversaire de Cristina Kirchner qui est une sorte de Anne Hidalgo ou Seguen Royal socialiste communiste argentine qui est déjà arrivé au pouvoir et en fait donc l'Argentine le, 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 c'est en plus déjà d'avoir d'être dans une situation que je juge pour moi catastrophique euh, s'ancre de plus en plus à gauche voire à l'extrême gauche oui. alors que l'Uruguay a tendance à vouloir se sortir d'un gauchisme qui est en train de les faire euh, voilà c'est le sentiment que j'ai en discutant très clairement avec les gens moi j'ai le sentiment que en Argentine j'ai j'ai pas le sentiment qu'il y a de grands mouvements patriotes euh, comme il peut y avoir avec le, le Partido Blanco en Uruguay, par exemple. D'accord. Ok, ok. Voilà. Donc, ouais, c'est. Euh, parce que c'est vrai qu'on se dit, par exemple, en Argentine, tu parles de nigérian comment un, un, un mec du Nigeria atterrit euh, en Argentine mais il y en a, et peut hériter. Et, et pourtant, Noir Pétrole, hein, Daniel. Hein, noir il n'y en a pas qu'un qu peu en plus. Il euh. n'y en, en a pas non plus énormément, mais ouais, il commence à y en avoir un certain nombre, puisque j'en ai vu. Euh, ouais, j'en ai vu, je euh, dirais peut-être une centaine. Euh, Bon, allez, une centaine en, lors de mes dix jours. Euh, c'est beaucoup. Hein. beaucoup ouais, ouais, ouais. Pour un pays qui n'est pas censé en avoir. Euh, surtout, ce qui est assez effrayant, c'est qu'on sait que le Nigeria euh, a une natalité explosive. Donc on se dit s'il y a déjà une, une filiale, si on pourrait dire. Oui, et puis il y, y a déjà des pays. Par exemple, je, je sais que l'Équateur, par exemple, a un gros pourcentage de population noire euh, dans, ouais. au sein de son sein de ce territoire. Euh, mais euh, là, vraiment. Euh, en plus, l'Uruguay, par rapport à l'Uruguay, c'est ça qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'il y a des noirs vraiment uruguayens, mais là, euh, voilà, euh, historiquement, par le métissage, etc., et quelques, quelques noirs d'immigration latino-américaine. Mais euh, j'ai limite vu, je ne rigole pas, euh, moins de noirs euh, en Uruguay parfois qu'en Europe de l'Est. C'était incroyable. En trois semaines, euh, j'en ai, ai, ai vu peut-être, je ne sais pas, 10 une une ou 15. Euh... D'accord, ouais. C'est vraiment extrêmement négligeable. Et je sais que notamment en Uruguay, il y a un, un, un carnaval qui s'appelle de musique Candombé. C'est un carnaval de musique afrodescendante. Bon, moi, je dis, ça ne m'intéressait pas trop. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il y a le plus gauchiste dans le pays. Euh, voilà Après, il y a le maté. Il y a le, le maté, c'est un thé, euh, une espèce de thé argent, argento-uruguayen euh, que, que, que boivent beaucoup les gens. Euh, voilà, le tango, évidemment. Euh, ouais. Euh, les gauchos, j'en ai vu quelques-uns, euh, le, le, pour la Patagonie, les condors. Euh, et euh, D'ailleurs, euh, faites gaffe parce qu'à plusieurs reprises, je suis tombé nez à né avec des vaches sauvages qui <laughs> s'étaient d'un troupeau. Donc si ah, allez, ça, c'est amusant ça. <laughs> si vous allez en, en, en Patagonie, ça peut vous arriver et je vous déconseille de l'approcher trop près parce que les, les, les vaches peuvent charger. Donc, euh, ah oui, oui. d'accord. Donc culturellement, il y a un mélange intéressant de... Euh, je dirais de, de, de tradition euh, des Andes, euh, de, 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 de notamment au niveau de la musique, oui. au niveau de, des mœurs, de la danse et euh, d'un européanisme classique. Pareil, j'avais regardé un reportage au Buenos Aires. Euh, parfois, on se croirait vraiment en Europe. C'est vraiment... C'est la première impression. Une en fois, fait, première impression qu'on a en arrivant à Buenos Aires. C'est-à-dire mmh. que notamment en semaine, on se sent vraiment comme en Europe. C'est après vraiment en, en explorant un minimum que là on se rend compte que non, on en est, on en est vraiment très loin. Euh, Et le, ce mix entre, entre Andes et je dirais entre, entre et euh, et culture européenne, j'ai beaucoup retrouvé au Pérou. Euh, et euh, vraiment en Uruguay, moi je me pour moi, l'Uruguay est le pays qui se rapproche le plus de l'Europe en Amérique du Sud. D'accord. Pas photo. Je ne parle même pas en termes d'héritage européen. Je dirais que ce serait plutôt l'Argentine, mais en termes de ressenti, en termes de tranquillité, en termes de d'intelligence de, des gens. Parce que les gens, je peux raconter cette anecdote-là. Par exemple, euh, il m'est arrivé d'entrer dans un café à monter vidéo. J'avais les bras chargés euh, parce que j'avais acheté deux, trois, deux, trois cadeaux, et, euh, et le, le serveur euh, m'a aidé à m'asseoir. Il a retiré la chaise pour faciliter. Enfin, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le degré de confiance entre les gens, il est très élevé. Est très élevé. Il y a un indicateur de bonheur. Exactement. Les gens, gens m'ont aidé à plusieurs reprises, deux mêmes mmh. ils voulaient chercher mon chemin. Bonjour, monsieur. Euh, euh, Voulez-vous que je vous aide Ça m'est arrivé un peu au Chili également. En Argentine, très peu. En Argentine, je sentais que les blancs, les, le blanc argentin, alors si je puis me permettre, et un, attends, peut-être être un peu plus péteux, Bon, ça dépendait évidemment. Alors que le, le, le blanc uruguayen, vraiment, j'ai senti vraiment un. un Toujours un haut niveau d'éducation et ça s'est ressenti. D euh, même les Uruguayens que j'ai rencontrés par la suite, à chaque fois, je n'ai jamais été déçu. Quoi. Voilà. Et finalement, qu'en conclure Le, le, le bilan global de ce séjour en Amérique du Sud, plutôt positif, euh, qu'est-ce que tu en retiens finalement euh, bah, Écoute, Daniel, pas mal de choses. Euh, alors, je tiens à ajouter quelque chose. Euh, à la toute fin de mon séjour, je suis passé par les chutes d'Iguatsu. Ah oui. Donc euh, c'est vraiment la toute dernière étape de mon séjour. Donc Ce sont des chutes d'eau parmi les plus importantes au monde, qui se situent à la frontière du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil. Mm -hmm. Sachant que côté euh, paraguayen, c'est inintéressant parce que c'est euh, un barrage hydroélectrique. Oui. Et euh, les, donc les deux parties les plus intéressantes sont brésiliens et argentins. Sachant que le brésilien, on les voit de loin alors que l'argentin, on est au cœur des chutes. Il euh, y a trois villes, Sud-Atlestée. Si Puerto Iguazú et Foz do côté brésilien et euh, donc du coup moi j'ai fait les j'ai fait les deux côtés et euh, bon c'est vrai que c'est assez impressionnant bon, par exemple ça fait partie des choses que je, je, je peux retenir de, de, de ce séjour surtout que c'est une zone assez calme pas beaucoup d'insécurité donc c'était c'était pas mal euh, chose que je retiendrai euh, ou globalement positive euh, je dirais euh, par exemple le Fitz Roy euh, dans la ville euh, près de la ville d'El Chalten en Patagonie Argentine qui est un peu l'équivalent du Mont Blanc euh, en Argentine mm -hmm. euh, ça va être à 3000, euh, 3400 et quelques euh, sinon le plus haut sommet aussi j'ai fait une excursion près du plus haut sommet d'Amérique du Sud qui s'appelle la Concagua oui. euh, près de Mendoza qui est à 6960 mètres et quelques euh, Qu'est-ce que je peux retenir d'autre, euh, euh, disons, euh, ouais, la, outre la variété des paysages Il euh, y avait aussi, par exemple, la ville d'El Bolson, qui est au sud de Bariloche. Alors, Bariloche, c'est une des principales stations de ski d'Amérique du Sud, oui. la plus grande d'Argentine. Et euh, ce que j'avais trouvé très sympa, c'est qu'au sud de, de Bariloche, il y a une ville qui s'appelle El Bolson. D'accord. Et euh, alors, pff, pareil, il bon, y a un peu d'insécurité. On m'a dit que c'est bon, passons. Euh, mais en fait, sur, le, sur une des montagnes qui s'appelle le mont Pilki pitrone -Pi si mmh. je le prononce bien, il y a en fait euh, un artiste qui a fait des, des, des statues en bois à partir d'arbres, ouais. et ça s'appelle le bosquet taillado, et en fait il a taillé, euh, il a fait des sculptures en bois à partir euh, d'arbres classiques. Et euh, il en a fait une, là euh, en quelques années, il en a fait une, une quarantaine ou une cinquantaine. Et elles sont visibles quand on fait l'ascension du Pilki qui trône près d'El Bolson. D'accord. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que c'est plutôt un style traditionnel. Et je trouvais qu'elles étaient, elles étaient assez jolies. Euh, autre chose que je, que je rajouterais, qui m'a marqué un petit peu, c'est euh, l'utilisation le, par les Brésiliens du Portugnole, qui est un mélange d'espagnol et de portugais. Ah, euh, oui. <laughs> C'est <laughs> un mélange d'espagnol et de portugais que les, 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 les Brésiliens qui maîtrisent peu l'espagnol utilisent généralement. Ils se débrouillent comme ils peuvent en mélangeant les deux langues. C'est assez marrant. C'est drôle pour Sognol. De... <laughs> Alors, c'est surtout parlé C'est beaucoup parlé à la frontière entre l'Uruguay et le Brésil. Et un petit peu aussi, euh, euh, à, justement, près des chutes d'Iguatsu euh, et, euh, et voilà, sinon, je, ce que je retiens, plein de plein d'expériences bonifiantes, euh, surtout euh, voilà, se, se débrouiller seul, essayer oui. de, de faire preuve d'esprit d'initiative. Euh, C'est l'aventure quand même. L'aventure. A... Je, je 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 pourrais aussi rajouter l'île de Chiloé au Chili, qui est une grande île euh, euh, qui est rattachée euh, rattachée à la terre par euh, par un, par les ferries. Euh, et euh, il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de faire parce que c'était assez onéreux, parce qu'il me manquait euh, on va dire, il m'a manqué vraiment de temps, c'est l'île de Pâques, avec les ah, statues. Oui. Euh, ah oui, alors, oui mais oui, c'est oui. pas mal d'avions, ça, non pourrais... Alors, pas tant que ça, en fait. C'est à une heure en avion de Santiago du Chili. Le souci, c'est que le billet d'avion est assez cher. Les prix sur place sont assez chers également. Et euh, j'aurais explosé mon budget si j'avais dû... Oui, euh, et puis, ouais. en fait, c'est... Il bon, faut, faut faire des choix. C'est merveilleux, mais ça... C'est vrai que c'est merveilleux, mais en fait, ça se visite vite, je pense. Donc, c'est beaucoup de frais pour finalement une visite quoi d'une après-midi, peut-être. Oh, une... Non, non, un peu plus que ça, quand ah même. Oui on, peut, ouais, on peut, on peut, on peut rester quelques jours, mais euh, un peu comme l'île de Chiloé, d'ailleurs. Euh, c'est vrai que c'est pas l'île de Pâques n'est pas n'est pas très très grande. Euh, mais ceci étant, effectivement, si vous vous faites le ratio. Euh, argent dépensé, attention, oui, euh, c'est pas bon. Je pense que c'est quelque chose que, que je l'aurais peut-être fait si je n'avais fait que le Chili, par exemple. C'est un petit luxe, voilà. C'est un petit luxe. Là, je pense, que je n'avais pas, euh, je, ouais, je pouvais pas trop me, me le permettre. Et de toute façon, je n'étais pas prévu de base, je n'avais pas prévu de le faire. D'accord. J'avais noté comme les choses intéressantes euh, en Amérique du Sud, mais euh, il est, euh, il est évident que voilà, je, quoi qu'il arrive, je n'aurais pas eu le temps de, de le faire. Et puis, euh, j'ajouterais euh, le désert de l'Atacama parce que c'est des paysages tellement magnifiques tellement euh, oui. euh, sachant que j'étais jamais allé dans un désert de ma vie euh, oui. c'est vrai qu'on parle souvent de, de l'ouest américain les grands euh, les, le, le, les grands canyons etc mais l'Atacama vaut, vaut sous pesant de oui. cacahuètes malgré l'aridité fait... c'est très beau hein. c'est sais que quand j'étais à, oui. à Dubaï oui. pas loin il y a les dunes et je trouvais ça magnifique c'est un des plus beaux paysages que j'ai pu voir en fait tout à fait. Il y a une diversité de paysages généralement dans ce dans ce genre dans ce genre de désert qui est assez qui est assez incroyable. On peut passer en quelques kilomètres d'un espace totalement aride, un ouais. peu de végétation. Euh, donc j'avais parlé de la nuit de la nuit étoilée, -ce que ce sont de la nuit étoilée tout à l'heure. Voilà l'Atacama aussi. Euh, voilà il y, a, il y a quelques quelques trucs dans mon dans mon séjour. Après il y a des il y a des fois où J'ai joué un peu plus de, de, de chance, un peu plus de main de chance. Euh, par exemple je suis quand j'ai fait le glacier euh, Petit Moreno euh, à El, près del Cap. La Faté, c'est le nom qui a été donné au découvreur, à l'explorateur espagnol qui avait découvert le glacier. Euh, bah, il avait fait un temps pourri. Voilà, il y a des fois, j'ai pas j'ai pas eu de beau temps. Alors qu'à l'inverse, quand j'avais fait le Fitz Roy, est le Mont Blanc, encore une fois le Mont Blanc argentin, j'ai eu un temps magnifique et j'ai, voilà. Donc on peut pas toujours euh, avoir la météo qui va avec, mais je peux dire que j'ai quand même eu, voilà, euh, la plupart du temps, j'ai eu quand même eu un temps, euh, un temps plus que respectable et j'ai pu, euh, pu en profiter comme il se devait. D'accord. Finalement... Euh dans une perspective nation, euh, est-ce que tu penses que ça plairait est-ce que c'est un voyage qui plaît à un faf finalement quoi l'Argentine, l'Uruguay euh... euh, moi je pense que l'Uruguay oui d'autant ouais. que pour avoir discuté avec même avec un Tchèque euh, des Russes etc euh, les, les, enfin, y, 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 ils étaient très contents donc je pense que ah oui tous ceux qui y sont allés en gardé mon oui, oui honnêtement les, les, les retours que je me suis fait ont été les mêmes voilà, les gens qui sont allés en Uruguay que peu importe la nationalité m'ont tous dit que c'était calme que c'était tranquille très européen les gens qui ont fait retour sur l'Argentine, que c'était très européen également, mais beaucoup plus d'insécurité. Euh, voilà, euh, donc ça peut, ça peut voir le coup. Euh, mais encore une fois, voilà, le, le, il ne faut, il faut pas négliger l'insécurité. C'est pas parce que c'est, on va dire. C'est pas parce qu'on n'est pas au Brésil ou au Venezuela que ça veut dire qu'on peut y aller sûr, euh, les mains Ou, ou Honduras, on durera, qu'on peut y aller. Des, bien sûr, faut en prenant en compte le fait que. Mais je l'ai sous-estimé. Je dois avouer que j'ai ouais. sous-estimé. Euh, J'étais quand même, j'avais quand même un, un taser sur moi, euh, voilà, au cas où. Euh, mais je, je, je m'attendais quand même à un degré moins, notamment euh, encore une fois sur l'Argentine ou bon, le Chili. Euh, bon, donc, je... ce qui est surprenant quand on n'a jamais non. vraiment sorti de l'Europe, c'est une pauvreté qui est plus marquée quand même. Oui, et Donc oui, oui, ça implique oui. des choses et il ne faut pas l'oublier. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Là, là, vous le, là, vous pouvez, voilà, vous. Vous vous rendez compte à quel point la pauvreté est un cran au-dessus. Et là, on se rend peut-être compte en fait à quel point, des le, le, fois, on se plaint un peu voilà, à cause du remplacement ethnique, notamment, euh, voilà, du, peut-être d'une du, baisse de la qualité de vie. Mais je, je pense que il y a le, dans encore bon nombre d'endroits en France, on a une qualité de vie bien supérieure à bon nombre d'endroits en Amérique du Sud. D'accord, voilà. bon, bon, c'est important de, important de le savoir. Il faut être, euh, être prudent quand on voyage, notamment en famille. Euh, il faut faire attention. Ouais. Bah, je te remercie, Max C'est vraiment un très complet. Bah c'est euh, moi qui te remercie. J'ai le sentiment qu'on aurait pu faire même le double. Tu as vraiment <laughs> beaucoup de choses à dire, c'est intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, si tu fais d'autres voyages et que tu veux les commenter, euh, bah je pense que, que tu es, es plutôt bon dans l'exercice. Bah ça me plaisir de. Ouais, écoute, je te, remercie, je te remercie énormément. Alors euh, Là, en l'occurrence, c'était parce qu'on euh, voilà, avait un manque d'informations sur, sur ces pays-là. Euh, mais euh, bon, euh, effectivement, s'il y a d'autres pays potentiellement intéressants que je fais dans le futur et on n'a pas, pas énormément de retour, c'est avec grand plaisir que j'aurais été expérience avec toi et ben c'est parfait partagez bien cette émission n'oubliez pas de la liker il paraît il faut que je le dise parce que comme ça on est mieux référencé surtout en ces périodes de disparition massive de tous les réseaux existants à bientôt les amis ciao ciao à la prochaine